awarded Africa Cup of Nations trophy looming for the indomitable Lions of Cameroon as they make their way back to where it all started in 1984, the land of promise, that of the elephants. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the APM Balingua newscast right here on Spectrum Television. Sorry, on La Nugis 4, right here on Spectrum Television. A few minutes ago, you saw me definitely present the APM Balingua newscast. And now it's time for us to talk sports right here on Spectrum Television. And what better place than to do so on La Nugis 4? Well, tonight I am in the company of four gentlemen, very fine, and the finest you can ever think of. We will talk about the indomitable Lions of Cameroon. We talk about the African Men's Volleyball Championship and the unfortunate exit of Team Cameroon without a medal. And also look at the preparations by elite clubs ahead of the new season, the upcoming football season. It's going to be an exciting 2 hours of sporting conversation. Make sure you stick around because we have a lot to say right here on La Nugis 4. Well, I'll start with one you haven't seen in a long while. It's none other, one that has coached a good sides, one of the amazing sides in Cameroon. I talk about New Stars, you talk about Colombe Sportive. I mean, you name it, the list goes on. I'm talking about none other than Coach Charlemagne Bongo. Bonsoir. Bonsoir, Coach. Bonsoir à tout le panel. C'est un plaisir d'être sur votre plateau ce soir pour parler des Lions Indomptables, notre chère équipe. Je vais utiliser deux casquettes, celle de patriote parce que je suis Camerounais, okay, et celle d'entraîneur. Ok, that's going to be nice. You know, we'll need your expertise as a coach also to look at, you know, the tactics set in place by head coach Rigobert Sow. And sitting close to Coach Charlemagne, we have Afu Gideon, an intermediary, one that is always on the lookout for bright talents. Good evening, televiewers of STV. Yes. You're welcome. It's a mission of. We're happy to have you here. Welcome. Thank you. Okay, now we will flip the tables and look at those opposite them. I'll start with Leandre Zé, sports journalist. It's like this is a sports journalist line. Bonsoir. Bonsoir, Madonnette. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. C'est un plaisir de faire partie de ce panel avec Coach et tout le monde. Donc, je pense qu'on va passer une belle soirée. Oui, ça sera une belle soirée. You know, my good French just came out. I'm proud. Okay, now we talk about one that was so enthusiastic when Rigobert Song dropped his list, and he had a lot to say, but unfortunately time that day could not permit us. But we've brought him back, so we will get to see what he has to say, get to hear what he has to say with regards to the performance. It's none other than the very fine journalist Hervé Menon. Bonsoir. Bonsoir Ronny, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir de vous convier à nouveau à ce débat. On est content d'être là. On espère surtout qu'on va éclairer la lanterne des téléspectateurs. Yes, it's going to be an amazing time, like Leandre said. Now, before we get into the conversation, but we'll start with the African Men's Volleyball Championship. Unfortunately for Team Cameroon, 1-3 loss to Libya sees them end the African Men's Volleyball Championship as fourth place, thereby missing out. They will be missing out on the 2025 Volleyball Men's World Championship. And despite their laudable run, the team failed to grab a medal in Egypt's Cairo. Well, it's the first time since a long while, because they have been there. They have been making it to this World Championship since 2010, and it's rather unfortunate that they will not be there come 2025. Well, we will look at this, and
if possible, get into the entire competition in a subsequent edition of La Nuit du Sport. But leaving out volleyball, we talk about the Cameroon Cup Finals, the 62nd edition of the Cameroon Cup Finals that has been slated for September 24, 2023. That is the date we will see FOVO Football Club de Baham play against PWD of Bamenda for either a second trophy PWD or a third for FOVO Football Club de Baham. Now, we would listen to the team's exploits so far. How many Cameroon Cups have they been able to win in what years? Let's listen in this report. Few years after the ascension into Cameroon's top flight competition, PWD counts two trophies. Cameroon Cup won in 2021, one league title in 2020. Founded way back in the early 1960s, Pitonton, also known as the Abakwa Boys, is one of the two sides from the Northwest region to play the Elite One Championship. They have played three Cameroon Cup finals so far, in 1962, where they lost 1-0 to Canon de Yaoundé, 1979, where they failed 1-3 to Dinamo de Douala, before claiming their first trophy in 2021, thanks to a 1-0 win over Les Astres de Douala. At continental level, this age-old side has played the CAF Champions League and the CAF Confederations Cup. They will be meeting with FOVO for the first time in the finals. As for FOVO Football Club de Baham, the team has two Cameroon Cup under their belt. The 2001 edition over Sintra de Yaoundé and the 2010 edition over Les Astres de Douala. Formed in 1978, this West Regional outfit has won the Elite One in 2000, the Cameroon Super Cup in 2000 and 2001, were finalists of the UNIFAC Club Cup in 2006. They are off to their fourth finals, having lost one in 2006 to Union de Douala. That is going to be a very tough duel, but the best team will definitely win. I would just have one question for you, Hive, because, you know, we talked about the Cup of Cameroon and how, you know, the fact that they get to program this months or weeks after the semifinals is being played, it's something that has not been good for football. Look at PWD, Eta Bawak will not be there. We have key players that have helped this team qualify for the finals and they are out at this point. Don't you think it's time we start reconsidering, especially since the date for the next edition, the 2024 edition, has been known? It's time we start considering how this will be planned so it doesn't repeat itself again. Et on revient un peu dans la problématique de la date de la finale de la Coupe du Cameroun. Ces dernières années, il y avait eu comme une sorte d'amélioration. Il y avait eu comme une sorte d'amélioration où on jouait la finale de la Coupe du Cameroun un peu rapidement, mais là on va retrouver les tards, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, quand on laisse passer autant de temps, il y a des joueurs qui s'en vont, ceux qui ont fait la campagne, qui ne seront pas là pour jouer la finale. Et après, les coachs, j'ai souvent eu à discuter avec les coachs. Parfois même les coachs changent, hein? Parfois même les coachs changent. C'est-à-dire ceux qui ont fait le parcours, ce n'est plus eux à l'arrivée qui sont en finale. Et ça enlève le pep, ça enlève le charme même de la compétition. Parce qu'en fait, la finale, c'est l'aboutissement d'une campagne. C'est le terminus, c'est le final d'une campagne. Donc quand les principaux acteurs ne sont pas là, parce que ça a trop duré et qu'eux, ils sont déjà passés à autre chose. Parfois même les téléspectateurs et les spectateurs, eux-mêmes, ils sont déjà passés à autre chose. Vous voyez que la finale se dispute à quelques semaines ou à quelques jours du début d'une nouvelle saison. Oui, oui. Alors, dans d'autres pays, ça ressemble même à une sorte de trophée des champions, parce que c'est le trophée des champions qui ouvre une saison. Mais là, c'est la finale, on est obligé de la faire de façon précipitée pour démarrer une saison. Donc le charme de la saison dernière est un peu passé, les playoffs sont passés, beaucoup de choses sont passées et les gens sont vraiment tournés vers autre chose. Donc c'est une vraie difficulté. Comme je disais, on a fait beaucoup de débats, je me souviens, il y a quelques temps par rapport à cette question-là. Et à l'époque, on nous faisait comprendre que c'était le président de la République
prenaient du temps à donner la date. Mais en faisant des débats, en mettant des enquêtes, on s'est rendu compte que le cabinet civil de la présidence de la République demande parfois la date avant pour harmoniser le calendrier du chef de l'État. Le chef de l'État, lui, il a son calendrier du 1er janvier au 31 décembre. Il n'est pas comme nous qui nous levons le matin et qui faisons un peu ce qui nous vient par la tête. Lui, là, il a un agenda. Et donc, souvent, il demande l'aval, en fait, le cabinet civil qui gère les affaires du chef de l'État demande l'aval ou alors la date à la Fédération Camerounaise de Football ou au ministère des Sports. Et parfois, c'est là que ça coince. Les années antérieures, il y avait les problèmes que nous avons connus, la Fédé qui n'était pas vraiment une Fédé, parce qu'un coup, c'était un exécutif, un autre coup c'était le comité d'organisation, donc ça faisait que c'était assez compliqué, et donc du coup vous avez même vu que le chef de l'État ne venait même plus physiquement. Là il est annoncé pour cette finale, il était annoncé au dernier nouvelles, je me souviens qu'on a même fait un débat là-dessus, il était annoncé pour cette finale parce qu'il y avait vraiment un charme dans cette finale. On avait parlé depuis WD avec le décès de Nijon Fundi et tout ce qui se passe en zone anglophone. Le fait que PWD revienne, c'était quelque chose de symbolique. Donc, je ne sais pas si on pourra encore surfer là-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui est passé. Là, on est vraiment tourné vers autre chose. Je ne sais pas si cette finale-là va encore avoir ce charme-là, avec, donc, comme vous avez dit, les joueurs qui sont partis. Et ce charme-là, ce peps-là, ces ingrédients-là, qui vont un peu faire défaut. On va peut-être juste assister à un simple match de football, mais il y a quelque chose peut-être qui manquera. Et la question de savoir finalement comment on fait pour avoir une date arrêtée, ou alors un timing arrêté, une périodicité arrêtée, la question va demeurer. Yes, having to fix a time or a date for this competition is very important. Coach, you're one of those that have passed through different elite sides, as I mentioned, Colombe, I mean, the list is so long. Il dit que la finale serait, il y aura quelque chose qui va manquer dans ce final, mais que c'est quand même la Coupe du Cameroun. Est-ce que, is that the same sentiment you share? Oui, c'est la Coupe du Cameroun a une saveur particulière parce que c'est l'apothéose de la saison. C'est l'apothéose de la saison, donc ça... Cette effervescence-là, ça attire tellement de monde, les autorités administratives, les autorités traditionnelles, tout le gratin sportif camerounais. Mais, comme Hervé le disait, ce problème, ce débat, il est de manière permanente sur tous les plateaux, parce que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Cette date dépend du cabinet civil et du programme du président de la République. Donc, c'est un peu difficile aussi pour la FECAFOOT. Déjà qu'avant, l'organisation avait un gros problème. On ne connaissait pas le jour où le championnat commençait. Mm-hmm. Parfois, c'est au quatrième renvoi que le championnat démarrait. On ne connaissait pas quand ça se terminait. Parce que, du coup, il y a un arrêt parce que les présidents de club réclament ceci ou cela. Du coup, il y a un arrêt parce qu'il y a des problèmes, même au niveau de la Fédé. Donc c'était tellement difficile au point où je crois qu'il y a une finale qui s'était jouée un lundi, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'était la finale de Sintra ou celle de Astro for vous, je ne me rappelle plus très bien. Mais je me souviens, il y a une finale qui s'était jouée un lundi. Tout simplement parce que au niveau de l'organisation, il y avait beaucoup de problèmes. Depuis l'année dernière, il y a eu une certaine amélioration dans l'organisation. On sait au moins quand on commence, on sait au moins quand on finit, ce qui facilite la tâche à nous les entraîner de mieux préparer nos équipes. Mais jusque-là, ce problème de finale, de la date de la finale de Coupe du Cameroun est toujours problématique. Donc c'est embêtant. C'est embêtant parce que là, comme Hervé le disait, il y a des équipes qui ont perdu les joueurs, qui ont qualifié l'équipe, qui ne seront plus à cette fête. Pourtant, on ne joue pas une finale de Coupe du Cameroun chaque jour. Hein. On ne la joue pas chaque jour. Je me souviens même l'année dernière, il y a de nouveaux joueurs qui se sont retrouvés dans les deux équipes qui ont joué la finale de l'année dernière. Donc ça, ça fait perdre un certain engouement. Ça veut dire qu'une certaine beauté
de cette fête-là. Une certaine beauté de cette fête. Imaginez un joueur qui a qualifié son équipe, mais parce que ça prend du temps, il se retrouve en train de changer de club. Il ne participe pas à cette fête-là. Il y a un goût quand même amer. Il y a un goût de quelque chose d'inachevé qui reste en travers la gorge. Donc, c'est un problème qui est là. Je pense que l'exécutif qui est là va. C'est vrai qu'on ne change pas d'une baguette. On ne peut pas utiliser une baguette magique pour que le changement, de manière progressive, pas à pas, étape par étape, je crois qu'on va finir par régler ce problème de la date de la finale de la Coupe du Cameroun. Yes, problems are resolved step by step, and we hope this will be resolved as soon as possible. Well, talking about a date that hasn't been fixed yet, or that problem that we have been facing, well, the Cameroon Football Federation is letting us know that they are working on that, because they have announced the start of the Elite One, the Elite Two Championship. In fact, the different competitions, local competitions that Cameroon or the Federation will be, you know, organizing in Cameroon. The MTN Elite One Championship, like you all know, is expected to start on September 30th and close on the 20th of June 2024. Now, we've seen so many clubs take on to the training ground to, you know, sharpen their edges, cut their T's and dot their I's ahead of the upcoming football season. I mean, I need not remind you about, for example, in Cameroon, Douala here, we have Union Sportive, Les Astres de Douala. They have taken all to the pitch to prepare. Well, just a reminder of when the Elite 2 Championship would start. We will see the second division open on October 7th and will run right up to June 26, 2024, while the women's top flight competition will start on October 14 to April 4. Now, professional clubs have been called upon to, you know, register players. The first batch of registration for players is ongoing and will close on November 4, while the second phase will run between January 8 and February 7, 2024. Now, the Cup of Cameroon 2024 edition of the Cup of Cameroon is announced for February 2nd, 2024. For men, and the 1st of May for women. Well, we will be the 1st of May for women. I don't know. I really want to. I would ask you, Afu Gideon. You know, this is the new season that is starting, as one was told. I mean, I met you last time when we went to Union Sportive, met at the Union Sportive training ground. You know, how do you think, how was your appraisal of these different teams and their preparation for the new season? Well, thank you very much, Oni, for their preparation this season. Well, to me, it's good. I've tried to visit. I mean, I was with Union. I see with us to see when we have been making recruitment. You know, me too, I was from outside with different experience too, despite the one I'm seeing in Cameroon. But yeah, they recruited players. They're working very hard. You know, the work in Cameroon is different from different countries. So that's what I'm seeing. Like, Union has prepared very, very well, really. Because they have prepared very well. They have made a good recruitment. They have good coaches, very competent coaches. What I'm seeing, yeah, with us too, same thing. So you know, we've seen these sides, you know, boldly stage. They are out for one of the two domestic titles. Do you think, you know, with the preparations on ground, they will be able to get one of those? Yeah, to me, yes. But the problem is, I think there's one problem in Cameroon. And what's that? That's a financial problem. Oh, financial issues. Yeah, that's the first problem I discovered in Cameroon is financial problem. The way they finance players is not good. It's Cameroon, you have to know that. I was given an idea that some of the clubs in Cameroon are having some problems just because they themselves want to have those problems. Clubs in Cameroon, when you have a club, you create, it's not like a company, you understand? So in other countries that you see they pay players a lot of money, it's not that those people are like they deal with petrol. No. You create businesses. Like, you know, Douala, in Douala alone have 500 shops. You own 500 shops. In Bamenda, 500 shops. Those shops, they have people working under Union. Those money, those interest that is coming, they use it to pay players. But now, if you see that they will prepare very well.
a player will train very well. You don't see, you don't feed well. There's another problem. Training is good, but feeding is less. That's a big problem, you see. That's the problem I'm seeing in Cameroon. I'm seeing them preparing very well, but now, one thing that will let them down is finance. Will there be any finance to back this intense training? We just hope that the club, they make a way to make half finance. That's the problem with Cameroon football. Okay, Leandro, you're one of those sports journalists that have really been on ground, you know, following the local championship. I mean, it has been announced for September 30th. How do you see this new championship? I mean, you know, we've had so many problems with the build-up, and we don't even know the card that will come out next week or even tomorrow. But what's your appraisal so far? Je pense que ce sera un peu compliqué, mais je pense que les équipes sérieuses sont en train de se préparer. Et il a cité très bien les équipes qui sont déjà au taquet, des équipes comme Dynamo qui sont en train de faire des recrutements. Vous avez parlé de la Coupe du Cameroun ou des clubs comme PWD qui sont en train de perdre des joueurs. C'est parce qu'il y a des équipes qui sont déjà véritablement plongées dans la saison à venir. Mais maintenant, il y a d'autres qui se laissent distraire par des batailles, entre parenthèses, qui n'ont pas lieu d'être pour moi ou peut-être à raison pour elle, mais qui sont dans d'autres batailles pour des raisons économiques telles que Didion l'a expliqué tout à l'heure. Mais je pense que le plus important, c'est parce qu'il y a une nouvelle, il y a un nouvel exécutif qui est à la tête de la fédération et qui veut faire les choses différemment. Je pense qu'on a sorti un cahier des charges pour les équipes et les équipes sérieuses sont littéralement rivés vers la nouvelle saison. Ils sont en train de se préparer et ça se voit sur le terrain. Et je pense que Didi, on l'a très bien expliqué. Le football aujourd'hui, c'est un business. Les présidents, certains présidents de clubs se laissent passer pour des philanthropes parce qu'ils disent aider des jeunes qui ne font rien au quartier et ils les aident en créant des clubs parce qu'ils les occupent au lieu que cela aille voler. C'est très mal pensé parce que le football aujourd'hui, c'est un business et quand vous entrez dans le football, ça veut dire que vous avez pensé votre business avec un business plan normalement et vous savez comment avoir des bénéfices. Mais on voit des clubs aujourd'hui qui ont de grosses capacités de mobilisation de fonds, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Cet argent est dilapidé. Cet argent est disputé. Ça fait qu'en début de saison, vous avez vu, même le coach allemand Bongola dit tout à l'heure, les saisons précédentes, on ne savait pas quand est-ce que la saison commence, on ne savait pas quand est-ce qu'elle termine, elle se termine. Aujourd'hui, on a déjà quand même un calendrier, ce qui permet à des équipes de se préparer. On a vu il y a deux ou trois semaines une vague d'assemblée générale où les équipes qui veulent véritablement participer à la prochaine saison se préparent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de faire tout pour être dans les règles pour participer au prochain championnat. Mais maintenant, il y a toujours des brebis galeuses, comme on le dit souvent, qui ne veulent pas. J'ai entendu par là dire que il y a des gens qui disent que ils veulent participer au championnat qui sera organisé par la Ligue. Donc, c'est un peu ce qui crée un véritable bémol. Mais je pense véritablement que si on veut que les choses évoluent, il faut un temps soit peut être sérieux et essayer au moins avec la nouvelle dynamique qui est en place pour voir. On dit que c'est les joueurs qui sont la matière première. Si on met les joueurs en devant, au devant de la scène ou alors en priorité, je pense qu'on pourrait aller pas à pas et atteindre un niveau professionnel. On a parlé tout à l'heure de la Coupe du Cameroun dont le calendrier dépend du cabinet civil de la présidente. Je pense que ce n'est pas seulement parce que le calendrier dépend du cabinet civil, c'est parce qu'il y a un manque de décentralisation, ce qui fait que la finale de la Coupe du Cameroun n'est pas la finale de la Coupe du Cameroun de football, mais c'est de tous les sports. Mais si on décentralisait, je pense qu'on aurait terminé depuis avec le football, que les autres sports qui n'ont pas terminé leur saison seraient en train de gérer leur finale étape par étape et ça permettrait peut-être, si le président a les capacités d'être à chaque finale ou alors de décentraliser le débat. Je pense que tout est un problème de sérieux et d'initiative. Si on est sérieux et si on sait ce qu'on veut, parce que je pense qu'à la tête même des clubs, les présidents qu'on pense être des voyous pour certains, ce sont des gens qui connaissent parfaitement le football, qui connaissent parfaitement l'économie du football et même l'environnement du football et qui savent ce qu'il faut faire pour bien faire. Mais seulement, il n'y a pas une véritable volonté. C'est pour ça que même à deux semaines du début de la compétition, on se dit encore qu'il y a des doutes sur le véritable démarrage. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut véritablement que les choses soient bien faites, il faut essayer de faire bien les choses. Et si on fait bien les choses, je pense que le Cameroun sera, dans deux, dans trois ans, va redevenir une valeur sur l'échiquier international. Parce qu'on se voit aujourd'hui,
malheureusement ou bien heureusement, on n'a pas d'équipe en compétition africaine. Mm-hmm. Peut-être c'est une opportunité de véritablement reconstruire ces équipes-là sur le plan national pour bâtir quelque chose de fort, parce qu'on a vu même du côté du football féminin où les équipes en manque de moyens n'ont pas participé à des compétitions internationales. C'est le temps pour véritablement se reconstruire une assise nationale pour aborder de façon sereine dans les prochaines années, pourquoi pas, les compétitions internationales. Oui, vous avez parlé, vous avez bien précisé, you know, it's time for us to construire, bâtir, you know, you've always said that. But, you know, we know building has to be a peaceful process. And, you know, we've always wanted to see how these two parties will reconcile. But we haven't seen that in a long while. Heve, does this General Assembly meetings being organized, is it like a sign of peace that something may be working behind the scenes? Or, I mean, we don't know what might happen again next? Bon, concernant les clubs, oui. Ben écoutez, c'est là qu'il faut mettre les deux. Vous avez mis les deux pieds dans le plat, parce que quand on parle des assemblées générales des clubs, tous ont fait des assemblées, quasiment tous sont en train de faire des assemblées générales. J'ai même lu, et certainement vous, des commentaires des personnes qui disaient que même ceux qui estimaient qu'ils ne vont pas prendre part au championnat sont en train de faire rapidement et pour finalement être dans les rangs. C'est un peu ça qui est on ne sait pas trop parfois comment fonctionnent nos clubs. On ne sait pas trop. Vous pouvez même assister à ces assemblées générales, mais vous n'allez pas toujours comprendre le langage qu'on tient là-bas. C'est vraiment comme des chambres secrètes, les clubs de football, qui sont adossés à des personnes qui font la pluie et le beau temps. C'est quelque chose que le général Pierre Smengue, lorsque la Ligue est arrivée, premier président de la Ligue, a essayé de casser, mais je crois qu'il... il a été rapidement rattrapé, parce que ce n'est pas évident. C'est ce que le président actuel de la Fédération Camerounaise de football également essaye de casser, mais ce n'est pas évident. Oni, je crois qu'il y a une mentalité réussir la professionnalisation du football. Et cette mentalité, on ne l'a pas véritablement chez nous. On ne l'a pas. Les clubs doivent être accompagnés, parce que, comme je l'ai souvent dit, transformer son équipe de football en entreprise, ce n'est pas, malheureusement, comme les gens le pensent, transformer ou alors opter ou alors décider de faire une entreprise comme on fait une entreprise de tomates, une entreprise de commerce. L'entreprise football, c'est complètement autre chose. Mm-hmm. Et ça, c'est ce que les responsables, même déjà à la Fédération Camerounaise de football, doivent être capables d'implémenter. Ils doivent être capables d'accompagner les clubs là-dessus, et les clubs eux-mêmes doivent accepter de se laisser accompagner. Donc je crois c'est comme un dialogue de sous entre les deux. C'est comme un dialogue de sous entre les deux. Quand je dis FECAFOOT, c'est vraiment tout exécutif confondu, hein. Mm-hmm. C'est vrai que l'arrivée de Samuel Eto'o a laissé espérer beaucoup de choses. Mais comme moi, j'ai eu à le dire, et je le répète, peut-être le président a trop vite parlé d'argent. Le problème, ce n'est pas le nombre d'argent, le nombre de millions que l'on donne. Le problème, c'est vraiment les structures, la structuration. C'est vraiment les procédures qui ne sont pas la chose la mieux partagée par les clubs. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des problèmes avec les clubs camerounais de football, venez avec les procédures. Parlez de structuration. Dites-leur que vous voulez voir des cahiers de charges. Dites-leur que vous avez besoin de voir clair dans leur administration. Ça, c'est très, très, très compliqué. C'est comme un essaim d'abeilles. Vous allez vous attirer vraiment de véritables problèmes. C'est ce qu'il a fait. Donc, moi, je pense que c'est peut-être ce qu'il doit continuer. Peut-être ce qu'il doit continuer de faire en essayant de mettre l'argent de côté, parce que je crois que c'est pas d'abord l'argent, c'est vraiment cette structuration là. On joue à combien aujourd'hui en première division? On joue à un nombre déraisonnable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer dans le football. Actuellement, si on veut grandir, on peut pas jouer à 18, à 20, à 22, c'est pas possible. C'est vrai que il faut quand même le reconnaître, la Fédération Camerounaise de football était partie avec une politique, c'est-à-dire
assainir, permettez l'expression, ou alors diminuer le nombre de clubs au fur et à mesure qu'on évolue. Je crois qu'ils sont dans cette politique-là pour atteindre, je crois, 12 ou 10 clubs en élite. Il faut rapidement qu'on arrive à cela, et même si ça ne va pas être accepté par les présidents de clubs, parce que c'est des businessmen, hein. C'est des businessmen pour eux, la SEC et tout ça, leur regroupement, là, c'est des regroupements de business. C'est des regroupements de business. Voilà pourquoi vous avez l'impression, pas l'impression, je crois que vous confirmez avec, vous allez confirmer avec moi, quand un prend position, souvent, très souvent, tous les autres prennent position. Donc, c'est vraiment une nébuleuse, le football professionnel, et ce qui contribue à rendre les choses encore plus complexes, ce sont ces présidents de clubs-là qui, comme Léon le disait, ne sont pas du tout des idiots, permettez l'expression. Ce sont des gens qui connaissent, qui ont juste besoin d'être accompagnés, qui ont surtout besoin d'avoir une bonne dose de bonne foi. Mm-hmm. Une vraie dose de bonne foi, une vraie dose d'intégrité, parce que ça, c'est des valeurs qui leur manquent le plus. C'est-à-dire que vous avez des gens là-bas qui, proprement, ils acceptent d'être proprement faux. C'est-à-dire qu'ils l'assument, ils sont proprement malhonnêtes. Ils sont proprement malhonnêtes, ils sont proprement faux. Moi, j'ai interviewé parfois quelques-uns d'entre eux. Il y a un particulièrement qui m'avait dit, Hervé, c'était vraiment au tout début, hein, quand on envoyait l'argent pour les salaires. Il m'avait dit, il pourra jamais payer les salaires des joueurs. Parce que quand cet argent vient, il faut que les clubs même se déplacent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas payer les salaires des joueurs en ne sachant pas comment est-ce que l'équipe va se déplacer. Et donc, il me le disait étant tellement sérieux que moi, ça m'a fait rire. Parce que je lui ai demandé, mais donc, cet argent-là, qu'on te donne pour un but précis, toi, tu en fais un autre, tu donnes une autre direction à cet argent, alors que tu dois être capable de travailler pour pouvoir toi-même gérer certaines autres. Donc c'est un problème assez complexe. J'estime qu'il y a de l'eau qui doit être mise des deux côtés, du côté des présidents de club qui vraiment eux c'est clair que eux ils doivent apprendre la professionnalisation, mais à la Fédération Camerounaise de football on doit définitivement leur tenir la main. Moi je pense, Oni, que c'est un problème de vision véritablement, parce que si on suit chronologiquement ce qui se passe depuis l'arrivée du nouvel exécutif, il faut dire qu'à la base, au début, alors qu'on parlait de problème de moyens, la première saison c'était une saison qui était presque gratuite pour les présidents de clubs, où on avait affecté des clubs dans des poules dans certaines zones du pays où ils étaient tout frais payés, les hôtels étaient payés, les déplacements étaient payés. Même les salaires étaient supportés par la fédération. Donc quand on a commencé par ce processus, je pense que dans cette saison-là, qui était presque gratuite pour les présidents de club, pour ceux des présidents qui avaient la vision, ils devaient déjà faire des prévisions pour les saisons suivantes. Vu qu'on t'offre une saison gratuite, où tes joueurs sont logés gratuitement, où tes joueurs sont peut-être pris en charge sur le domaine de la nutrition et on vous accorde une certaine subvention. Je vois que si vous aviez prévu un budget pour tout ça, parce qu'on se disait qu'avec l'arrivée là, on demande aux gens de jouer rapidement, qui va avoir l'argent pour aller jouer à Garoua? On vous a dit non, il n'y aura plus de problème de déplacement, on joue en poule et les poules sont logées dans les villes. Donc toi tu es dans telle ville et tu es logé dans tel hôtel gratuitement. L'argent que vous aviez prévu pour vous déplacer, vous ne le dépensez plus. Qu'est-ce qui fait donc que la saison d'après, vous soyez à court de fonds et pourtant, vous êtes censé avoir fait des revenus puisque vous avez une entreprise qui vit depuis et on vous a épargné de certaines charges. C'est un problème donc de vision, comme Hervé le disait. Si vous n'avez pas la même vision, vous ne pouvez pas faire ensemble. C'est pour ça que dès qu'on commence à appliquer deux, trois mesures, on commence à croire qu'on vous veut du mal ou on ne veut pas que vous évoluiez. Mais j'aimerais dire que partout ailleurs, les conditions pour jouer au football ne sont pas que sportives. Mm-hmm. Les premières conditions sont financières. Il faut pouvoir remplir certaines garanties financières pour pouvoir jouer au football. Parce que vous prenez les engagements sur des vies des gens. Parce que les footballeurs, c'est leur métier, ils n'ont pas autre chose. Ils se lèvent, ils pensent football, leur famille compte sur eux. Donc quand vous prenez les gens, pareil, vous devez avoir des garanties qui disent que vous pouvez prendre en charge ce monsieur pendant une saison. Et ce n'est pas après que vous allez dire qu'on n'a pas payé parce que la fédération nous devait. Non, vous avez lancé votre business. Ça aurait été une porcherie que vous n'allez pas dire que vous attendez la subvention pour nourrir vos animaux. Donc, vous devez avoir de quoi assumer vos charges. Et après, si la subvention arrive, c'est que du bonus.
Mr. Fu, we're going to get back. Fu, we're going to talk to you. Well, I want to listen, Coach. J'aimerais prendre votre avis sur tout ça. You know, il a parlé de la vision. C'est ça le véritable, c'est notre problème qui dérange le football camerounais ou les dirigeants de club. Est-ce que c'est le même avis que tu partages? Oui, mais c'est un challenge que les présidents de club n'arrivent pas à relever. Ce n'est pas cette histoire de cahier de charges, ça ne date pas de l'exécutif C. Je crois que ça date depuis environ 5 ans que ce problème est là. Sauf que, je vais rejoindre Hervé, lorsque les présidents entendent cette histoire de cahier de charges, ils se braquent. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Vous ne pouvez pas aujourd'hui parler football sans parler finance. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas football. Maintenant, ces présidents n'ont pas pensé à un retour d'investissement. Comment développer leur business? Parce qu'il faut aussi avouer que personne ne peut dépenser de l'argent, parce que le football, c'est un gouffre à sous. Personne ne peut dépenser de l'argent sans avoir un retour. Ce n'est pas possible. Je crois que le football a été pensé comme une animation. Donc nos présidents restent encore dans l'animation. Ils restent encore dans l'animation. Ils ne pensent pas encore que le football, c'est un business. Comme Léon le disait, tous là, ils ont une mentalité de philanthrope. Ils pensent que c'est des petits voyous qui sont abandonnés au quartier, qui n'ont rien à faire, qu'il faut récupérer parce qu'il faut les empêcher d'aller casser des magasins et tout et tout. Donc, il faut les occuper avec le foot. Non, le football est devenu aujourd'hui un métier. Nous sommes entrés dans la professionnalisation. Et jusqu'à aujourd'hui, ce mot, pour moi, c'est un rêve. Il n'y a pas de professionnel au Cameroun, parce que le joueur camerounais n'arrive même pas à payer le loyer. Combien d'équipes sont régulièrement, ça veut dire qu'à jour, dans le paiement des salaires des joueurs? Les équipes qui payent les salaires des joueurs et des entraîneurs payent maximum 7 mois. Le championnat, tu signes un contrat d'un an, on te paye, on te donne 7 mois de salaire. Je dis ceux qui payent beaucoup, hein, les clubs qui payent beaucoup, c'est 7 mois de salaire. Il y en a, quand tu as pris 1-2 mois de salaire, le reste tu ne vois plus. On parle de quelle professionnalisation? Donc le problème, c'est au niveau des présidents de clubs qui ne veulent pas s'arrimer, ça veut dire qu'à remplir le cahier de charges. C'est à leur niveau. Donc, et c'est une affaire qui date depuis environ 5 ans. Si, comme je l'ai dit, par rapport à l'exécutif qui est là, qui a une certaine vision, mais qui va prendre du temps, si ce président avait commencé de manière progressive, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de cahier de charges. On devait être en train de parler d'infrastructure, que chaque club ait peut-être son stade d'entraînement. On ne devait plus être au niveau de ces petits éléments. Maintenant, la structuration des clubs est un gros problème. C'est pour cela que sur l'échiquier international, même au niveau de la production des joueurs, aujourd'hui on voit, c'est le centre des brasseries qui produit plus de joueurs aujourd'hui. Les joueurs du championnat même sont vendus dans les championnats de seconde zone. On ne voit plus les joueurs qui partent de l'élite 1 pour aller signer directement dans les championnats phares. C'est un gros problème parce que les équipes ne sont pas bien structurées. Il faut que les équipes soient bien structurées. Qu'un joueur soit capable au minimum, je prends le minima, hein, d'avoir un salaire de 300 000. D'avoir un salaire de 300 000, on va dire qu'on est prof. On aura de bons joueurs. Les joueurs ne vont plus aller dans les pays de sous-région. Beaucoup de nos talents sont en train de s'évader parce que le joueur ne vit pas de son art. Ne vit pas de son art. Merci. Et ça pose un problème. Oui, merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Mr. Afu, we'll come back to you, you know, in our subsequent editions, because you talked about this so many times when we had you on board. Yeah. And you talked about how this structure has to, you know, a well-organized structure has to be set in place. Yeah. And all of the other things the other panelists have said. So we'll definitely get back to you another time. Now, let's move over to the DEF World Cup. Team Cameroon will leave for Malaysia on September 19, 2023 for the first edition of the World DEF Football Championship, slated for September 23 to October 7.
Well, the 22 players retained have been training Sings in Cameroon's political capital, as we hear in this report. Preparations have hit fever pitch for Team Cameroon ahead of the fourth edition of the World Deaf Football Championship, slated for September 23 to October 7 in Malaysia. The Deaf National Men's Team hones their skills in a closed camp in Cameroon's political capital Yaoundé, precisely at Oasis Pittoresque. From an external camp which started in March 2023, 22 players have been retained for the Deaf World Cup. President Valérie Jean Pema, head of the Cameroon Deaf Football Federation, says 24-year-old Cameroon international Japit Serge, who plays for Tunisian side Voix du Sud, was the last to reach camp. Not only is the squad complete, but there is calm and serenity. Adequate funds have been put at the disposal of the side as they gear up to face the world's best. The millions of francs CFA put at the disposal of the Federation by the Ministry of Sports and Physical Education has been able to help them overcome the problem of infrastructure, absence of sporting gears, a situation that has been the reality in past years. Cameroon, just like the other 23 participating countries, will be hoping to go as far as possible. They will play Greece, China, and Chile in Group C. The team will leave for Malaysia on September 19, 2023. So with that report, that we put an end to the first segment of La Nuit du Sport right here on Spectrum Television. And we cross over to the another exciting part, because I would say the most exciting part, because every minute spent on La Nuit du Sport is definitely exciting. So we talk about Cameroon and Burundi, the Indomitable Lions of Cameroon that are off to their 21st AFCON that will be staged in Côte d'Ivoire. Remember, Cameroon's first Africa Cup of Nations was won on the soil of the elephant, and they are returning back. It makes me wonder, are we going to lift a sixth trophy? Well, we still have a lot of time to, you know, talk about that before we get to October 12th, where we will be knowing who Cameroon will be playing come January 2024. But because we are on this topic and Cameroon's wonderful game against Burundi, let's just go get some highlights. We'll come back. And I'm actually most excited to hear what Hivi has to say about that performance, because, you know, we talked extensively on Antonio Nana and he delivered. So let's go look at this highlight. We'll come back. Sometimes it gets boring, you wait for the goal and you start falling asleep. It also happens in a stadium like this one. Et c'est parti pour la deuxième période entre Camerounais et Burundi. Deuxième période donc de ce match ultime, 0-0 au terme de la première partie. Franck Zambouanguissa ici, Louis-Olivier Kemen et la balle en profondeur pour le capitaine Vincent Aboubakar. Ça va être compliqué, il est seul contre 4 là. C'est pas la peine de courir. Le but camerounais. Le but camerounais. Brian Mbeumo ouvre le score pour les Lions indomptables. Brian Mbeumo scores his second goal. Vigilant he was. It is celebration. Cameroon have taken one step into the between Brian. Toko le second. La tête camerounaise. La frappe. Omar Gonzalez, on vous l'a dit, défenseur central d'Arid. Vincent Aboubakar, peut-être. Il est passé, Vincent Aboubakar. Le pied gauche. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Le but du prodige de Rubiata. Vincent Aboubakar. He has given his population what they were waiting for. He has given the ancestors and shown that the blessings from the ancestors was real. Onesime Rukundo. Left now.
Il fait plaisir à toute la tribune d'honneur, vous le voyez ici. On est en extase, sans retenue. Il fait plaisir à ses frères et sœurs de Roubaix Adja, ses frères et sœurs de Garoua, ses frères et sœurs du quartier Plateau, de Poumpoumouré, de Marouaré, de Bibémiré, tous ceux qui sont venus du monde Tenglen, le peuple Fali, le peuple Vatel, le peuple Peul, les Laka également. Le revoici Vincent Aboakar pour mettre le ballon. Le capitaine des Lions indomptables. Eh oui, le dribble parfait. Le contrôle par la suite avant de l'envoyer. C'est au fond du filet. Look at that. Look at how he beats Rukundo Onesime. He leaves Rukundo Onesime completely naked. The Burundian defense spread out like the river Benue around here. And the one man who knows how to navigate through. Vincent Aboubakar, the Dak invader, as smooth as the bomb disposal expert on the run, beats the goalkeeper, scores the third goal, Evariste. À 3 buts à 0, Benin, la coupe est pleine pour le Cameroun, désormais fixé sur sa qualification. On joue les 20 dernières secondes de ce match. La montée désespérée pour le Burundi et ce centre, ça va être compliqué. Ils sont enragés, vous le voyez, Muminga Malheu, qui vient à la rescousse, prêtez main forte à nous, Tolo. If your stopwatch counts down, only 5 seconds. We interviewed a lot of persons, a lot of fans. Almost all of them talked about 3 goals. Attention, c'est terminé pour les 5 minutes accordées de temps additionnel. C'est la fin du match. Le Cameroun est qualifié. Le Cameroun est donc qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il termine premier. Images there. I'm sure most of the fans watching back at home will just remember this moment and be pretty excited. Well, for those of you that watched this program last week, I said I will be coming back whenever you see my face. When next you see my face, it will be to celebrate Cameroon's victory. Heve, Menon, after so much, you know, after a long while, Rigobert Song finally got his home victory. What a way. Oui, oui, cette victoire était attendue pour le sélectionneur Rigobert Song. Et je me souviens que je crois que c'est Mirabeau Mahob de Canal 2 qui lui pose la question lorsqu'il annonce la liste. Et je crois que lui-même n'était pas au courant. Mmh. Il n'était pas au courant qu'il n'avait pas encore gagné à la maison. Et je crois que ça lui est resté vraiment dans la tête puisque lors de la conférence de presse, cette fois à Garoua, d'avant-match contre le Burundi, il est lui-même revenu sur cette statistique-là. Et il a dit donc que les filets allaient trembler. Ils ont tremblé hier. L'objectif principal, numéro un de la rencontre Cameroun-Burundi, était la qualification. On a eu la qualification. Maintenant, est-ce que le score reflète? Nous sommes là pour analyser. Vous nous avez convoqué pour analyser. Et nous allons donc analyser. Nous, on ne va pas juste se limiter à regarder ou à s'extasier. Est-ce que le score reflète le niveau de jeu proposé par les Lions Indomptables? Est-ce que le score reflète une domination réelle des Lions Indomptables sur les Hirondelles du Burundi? Non. Non, il faut se le dire. Il y a beaucoup de travail encore à faire au niveau des Lions Indomptables du Cameroun avant la CAN. En Côte d'Ivoire, si tant est qu'on va à la CAN pour la gagner, le Cameroun va à la CAN pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Le Cameroun est un favori naturel de la Coupe d'Afrique des Nations. Il va donc falloir mettre à profit les matchs parce qu'il y a des fenêtres FIFA en novembre dans la préparation. Les matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il va falloir mettre ces matchs-là à profit pour que donc Rigobert Song puisse se servir des acquis. Du match d'hier, des choses qui ont peut-être bien marché, des choses qui ont moins marché. Je crois qu'il y a aussi un match amical qui est annoncé en octobre prochain contre le Sénégal à Lens, en France. Donc, il va falloir mettre tout ça à profit pour vraiment travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Peut-être on rentrera de plein pied dans l'analyse, peut-être poste par poste, mais il y a à dire. Yes, okay. I want to, you know, coach has been shaking. Vous savez, c'est quoi la tête quand il parlait. Et c'était un premier mi-temps assez difficile pour le Cameroun. I mean, those watching at home were really wondering what exactly is going on. Est-ce que c'était le même sentiment que tu as eu? Est-ce que tu voyais les 3 buts là à la deuxième mi-temps? Non, j'ai d'abord les pavés dans la main. Je crois que nous allons entrer de plein pied dans le sujet, sauf si on veut déjà que j'entre
dans le décryptage. Mais nous savons, au vu, même un aveugle, comme je le disais à certains collègues ce matin, même un aveugle pouvait voir que la première mi-temps a été difficile pour le Cameroun. Le Cameroun a été sérieusement en difficulté en première mi-temps. Donc, nous aurons le temps d'analyser vraiment ce match en profondeur avec les éléments que nous avons. Mais comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis d'abord patriote. Je vais d'abord être content de cette qualif. Parce que pour moi, lorsque je mets ma casquette de patriote, le Cameroun, pour moi, ça dit que c'est mon ADN. Que le Cameroun joue mal ou pas, moi, je supporte le Cameroun. Ça dit que je meurs pour le Cameroun. Même si nous sommes en train de mal jouer, je suis Cameroun. Mais maintenant, en tant que technicien, je vais entrer un peu dans les analyses de ce qui n'a pas marché en première mi-temps et quels sont les ingrédients qui ont été mis en deuxième mi-temps pour qu'on voit deux matchs en 90 minutes. Une figure en première mi-temps, une autre figure en deuxième mi-temps. Oui, we will definitely get into that. But let's go listen to Rigobert Song's post-match reaction, where he talked about what exactly went wrong with his team and how excited he is to have gotten his first win on home soil. Et aujourd'hui, de toute façon, je l'ai dit hier, on savait que quelque chose allait arriver. Donc, on était. Il fallait déjà qu'on essaie de passer au-dessus de la pression, parce que ce n'est pas évident. C'est des joueurs, forcément, on le connaissait bien, mais l'environnement d'aujourd'hui était différent. Et en même temps, ils se sont adaptés. Bon, en ce qui concerne André. To him, despite that very tough first half, they were actually really calm and took the opportunity when it presented itself. Now, we'll come back to you, coach, because it was really a tough first half, and we want to know what was your appraisal of that particular first half of the game. Oui, cette première mi-temps a été extrêmement difficile pour nous, extrêmement difficile. Déjà dès l'entame. Dès l'entame, nous avons très mal entamé le match. On avait l'impression que l'enjeu avait tétanisé les joueurs. Les joueurs étaient complètement tétanisés. Ils n'arrivaient pas à se libérer. Et ça nous a posé énormément de problèmes. Défensivement, on était très mauvais. On défendait très mal. Je ne sais pas si c'est l'organisation qui a été mise en place qui nous a amené à mal défendre comme ça, parce que dans ce 4-2-4, j'ai eu l'impression, ou alors je pense qu'on avait des joueurs qui ne sont pas des travailleurs sur le plan défensif. Tu as Aboubakar qui commence déjà à partir parce qu'il est déjà sortant. Tu as Choupo qui n'est pas un gros travailleur sur le plan défensif. Tu as Toko qui ne défend pas forcément bien. Il n'y a que Mbembo qui essayait de revenir défendre. Donc, si tu as déjà ces trois joueurs-là qui ne défendent pas déjà bien, et tu as Zambo et Kemen dans le milieu de terrain, ce n'est pas possible. Le milieu de terrain était complètement un boulevard. Donc, les Burundais étaient libres de manœuvrer comme ils voulaient au milieu de terrain. Maintenant, tu as nos deux latéraux qui ne m'ont pas semblé bien hier. Ils n'étaient pas très bien. Ils ne sont pas vite entrés dans le match. Ils n'étaient pas bien. Ils n'étaient pas très bien. Donc, toute la défense même a eu du mal à entrer dans le match. Donc, ça fait de telle enseigne que nous avons énormément subi le match en première mi-temps. Les Burundais ont eu, si mes stats sont bien, je crois 8 ou 9 tirs. Mm-hmm. Et il y avait 7. Ils ont cadré 7. 7 fois. Ils ont cadré 7 fois. Donc, et quand on regarde le nombre d'arrêts d'Onana en cette première période, on se rend compte que nous étions très, très mal. Très, très mal. Que ce soit dans les transitions offensives, que ce soit dans les transitions défensives. Déjà, quand on récupérait le ballon, je veux parler des transitions offensives, lorsqu'on récupérait le ballon, on ne se projetait pas
vite vers l'avant et on les perdait, également vite. Et lorsqu'on les perdait, on ne se replaçait pas vite. Ça fait que les Burundais arrivaient facilement dans notre surface. Ça fait que on avait un bon Onanaye, comme je disais. Et Onana a fait son match, il n'a joué que son rôle. Parce que si on veut aussi trop l'encenser, ça va être comme si c'est Mukudi ou Wo qui devait se retrouver dans les buts pour arrêter ses ballons. Il a joué son rôle. Et c'est cet Onana qui a joué hier que nous voulons voir avec les Lions pour aller prendre des titres. Parce que s'il n'est pas à cette hauteur de performance, il sera difficile qu'on gagne des titres avec lui. Donc moi, je pense que cette première mi-temps, nous avons été tétanisés par l'enjeu et ça ne nous a pas permis de jouer. Donc dans les transitions off, on n'a pas été bien et ça nous a amené à concéder beaucoup d'occasions à l'adversaire. Donc je pense que la deuxième mi-temps, nous allons la décrypter après. Parce que la deuxième mi-temps aussi a ses éléments. Donc l'équipe qui a été la plus dangereuse en première mi-temps pour conclure a été le Burundi. Le Burundi. Mmh. Vous avez aussi vu le match, la première mi-temps comme le coach? Bien sûr. Si on ne peut pas être moins honnête que cela. Je pense que même votre highlight de tout à l'heure voulait tout dire. Vous n'avez pas montré une seule action de la première mi-temps. Ça veut dire que le Cameroun n'a eu aucune action véritable en première mi-temps. C'était une première mi-temps très frustrante pour les Camerounais. Quand on sait que dans un match Cameroun-Burundi, on s'attendait à marquer très tôt. Je crois que c'est pour ça que Robertson a mis un dispositif bien qu'expérimental, mais très offensif, avec un milieu léger, ce qui a permis, comme le coach a dit, aux joueurs burundais qui, eux, avaient densifié le milieu, d'avoir une certaine verticalité et se retrouver très facilement au bout de trois passes devant nos buts. On a vu même notre jeu, vous avez vu, on avait une défense expérimentale. Quand vous voyez Mbaizo, Mukudi, Wo et nous, Tolo, je pense que c'est la première fois que les quatre jouent ensemble avec Onana qui est de retour et que vous savez a un style très particulier. Vous comprenez que ce n'était pas très évident d'aborder cette rencontre. C'est vrai que nous sommes le Cameroun, c'est vrai qu'on avait des ambitions, mais il faut être logique qu'on jouait avec un 11 expérimental et ce n'était pas évident. Le coach l'a dit ici, le sélectionneur a peut-être oublié qu'on avait des joueurs qui n'étaient pas très très jeunes, parce que quand vous mettez une attaque à 4, ça veut dire que certains attaquants doivent faire un travail défensif. Vous avez vu, nos attaquants sont plus, excusez le terme, des sénateurs. Quand vous voyez Choupo-Moting, Toko Ekambi et Aboubakar, ce n'est pas des gens à qui il faut crier dessus pour dire rentrer faire le travail défensif. Donc, dans toute la première mi-temps, on a vu un milieu de Olivier Kemen et Zambo très en dedans parce qu'ils passaient le temps à subir. Ils n'avaient pas le temps de construire des attaques. Mbaizo et Nutolo, qui, dans un football moderne, les latéraux sont des premiers attaquants, c'est eux qui amorcent les attaques, n'ont pas réussi un seul centre, ni même, je vais m'en abuser, un contrôle offensif. Ça veut dire que quand on donnait un ballon à Mbaizo, le contrôle, c'était en retrait. Quand on donnait un ballon à Nutolo, le contrôle, c'était en retrait. Ça cassait même la dynamique voulue par le sélectionneur dans cette première mi-temps. Je pense que la volonté était de faire mal aux Burundais dès les premières minutes pour tuer l'idée de ce qu'on peut douter, et ça aurait permis peut-être en deuxième mi-temps d'exploiter d'autres ressources qu'on n'a pas encore vues. Je pense au jeune Mugé, qui a un profil très intéressant, mais qu'on n'a pas encore vu avec les Lions Indomptables. Je pense même à Clinton Dié, qui est sur un bon état de forme, mais qu'on aurait pu exploiter si on avait un score confortable. Mais malheureusement, on est arrivé sur une équipe du Burundi qui est différente de l'équipe du Cameroun, qui est une sélection de beaucoup de joueurs, peut-être plus ou moins talentueux, mais qui tarde à devenir un vrai collectif. Mais le Burundi, on a senti que c'est des joueurs qui se connaissent, c'est des joueurs qui savent comment amorcer les attaques. Voilà pourquoi très facilement se retrouver face à André Onana, d'où les 8 tirs que le coach a comptabilisés. Malheureusement, le Cameroun
avec des joueurs qui ne savaient même pas comment exploiter leur coéquipier, même si on n'est pas encore sur la deuxième mi-temps. Même en deuxième mi-temps, même nos trois buts ne sont pas des actions, des phases construites par le collectif camerounais. C'est un coup de pied arrêté, c'est deux erreurs de la défense burundaise. Donc, sur aucune action construite, on a réussi à mettre en mal l'équipe du Burundi. Donc, c'est des paramètres pareils sur lesquels il faut travailler pour développer un véritable collectif pour les prochaines échéances. Hervé l'a dit, le coach aussi, il y a d'autres échéances. Il y a le match amical contre le Sénégal qui arrive. Oui. Il y a les qualifs pour la Coupe du Monde qui arrive. Ça va permettre peut-être de mûrir ce collectif pour faire un bloc parce qu'on va à la CAN pour la gagner. Le Cameroun ne va pas pour participer juste. Et comme le coach aussi l'a dit, Andrew Nana, c'est, je le dis toujours, c'est le meilleur joueur camerounais actuellement sur le marché. Donc on ne va pas se priver du bonheur de jouir de notre meilleure arme. Donc il a été le meilleur Andrew Nana qu'on pouvait avoir hier. Voilà pourquoi on est sorti de cette première mi-temps avec zéro but partout. Il a fait son job parce qu'on sait ce qu'on attendait. Si on a appelé Andrew Nana, c'est parce qu'on pense que quand on a un Andrew Nana, on peut éviter d'encaisser là où d'autres nations qui n'ont pas le privilège d'avoir Andrew Nana pourraient encaisser. Donc il a fait son job. C'est le meilleur Camerounais actuellement. Il a été sûrement le meilleur Camerounais hier, c'est logique. Donc maintenant, je pense qu'on a le coach sûrement a retenu des leçons de la première mi-temps. Voilà pourquoi les joueurs sont revenus en deuxième mi-temps avec un autre état d'esprit. On a vu un autre dispositif tactique qui a permis de mettre en mal les Burundais et de gagner ce match et avoir la qualification pour la CAN. Merci beaucoup. Mr. Afu, what's your appraisal of that, you know, first half played by Cameroon? Really, to me, that match, we won because we were supposed to win. Oh, not because we did something. Yes, we won because we were supposed to win. Yeah, we didn't really, our play is not really perfect yet yesterday because if you look at our defensive system, it's very bad. Very, very bad. From the defense to the midfield, I mean, it was zero at the first half. I myself, I was confused. And look at that match, I say, I don't know what I could say again. I thought maybe because the Burundians, the way they came out, first of all, you have to know that you have to appreciate their coach. Mm-hmm. They have a very good coach. Mm-hmm. To me, that team is good. Because if you look very well, all their goals that they score, all the goals that we Cameroon score, we didn't use any action, eh? They are just mistakes from those people. Use them. Our play is, I'm not lying to you. To me, I say bravo, Andre Onana, because of him, we won yesterday. Because if we could have taken those two goals, because I saw two goals at the first half. Because if we could have taken those two goals, those Burundians could have gone back to block, and that's why we could have lost, according to me. Yeah, we saw in the first leg, they're really defensive. Because if they would have scored those two goals, they would have just blocked everything. That's how we are going to lose, you see. So to me, I give a very big chapeau to Andre Onana. That's the man of the match. That's the boss. I was very happy yesterday. What I'm saying now for the land is for the coach to work hard. To work very hard now, because now we brought Andre Onana back now. I think it's high time we look for the other players that we've put them behind, like Gandil. We try to bring them back. No, really, please, listen. In a team like this, we need to bring peace. Cameroon, our national team is a good team. The only problem we have is just disorder. You see, this one is angry, and that's how we begin to send these players away. The team become bad. Just look at, reflect your mind when we won Algeria in Algeria. That team, if we could have taken that team to the World Cup, you know what we would have done? Mm. That same team that won Algeria in Algeria, where is the team? Well, there are some players that are off, and you know, we talked about their return for so many. Yeah, that's what I'm saying. That months? Now, we are just begging the coach that he should at least try to make a means to make comeback of those players. Well, the coach had a lot to say about that, and we're going to look at it because he said we're in for surprises. Yes, so he has not yet built up his team or have a team in mind, but we're in for surprises. Know that for yesterday, we should, our defensive. Yeah. Line, the right back, the left back. In central, I can only say maybe that number four. Okay. Christopher Wu. Yes, that one is good. I'm not like hating anybody, but I'm just saying this is Cameroon. Mm-hmm, mm-hmm. It belongs to us. It's our team.
So if nobody should come here and begin to say, I'm like feeling shy to tell somebody that, no. That is the only person me I saw there. That number four. The rest. Then the midfield, I think what the coach has just said is true. Because if you look very well, we have Zambo and the other guy playing the midfield. So if you look, you see that Abubakar, Toko Ikambi, Chupo, only Nguema that is coming, it's trying to come back. The rest are not coming. So you see that when you are playing like that, when we lose the ball, so these two do have to come inside to make the midfield become strong. But if you are not coming, I mean, these two guys now they become maybe two against five or four. So now they cannot play. You have difficulties. Yeah, thank you so much for highlighting the fact that our defense was really a problem. Talk about, you know, we've always seen that complicity between Vincent Abubakar and Fai Collins, but unfortunately he wasn't there. And Castelletto was really good. We've seen how much, how he has proven to the team that he can be a very good asset. But now we had Mukudi that came back. Mukudi has not played for the team for months since the Africa Cup of Nations hosted by Cameroon. How do you see that new entry, Mukudi, Baisor, you know, Baisor in the right flank, taking up that space? Do you think Baisor did do justice to the right flank? Alors, vraiment, pour parler de Baisor, il faut des intercalaires, hein, s'il faut écrire. Il faut beaucoup d'heures d'émission, hein, pour parler d'Olivier Baisor. C'est un bon footballeur. C'est un bon footballeur, mais il n'a pas le niveau international. Vraiment, certains analystes le disent, il n'a pas le niveau pour jouer un type de match. Il n'a pas le niveau pour jouer un type de match. On peut l'aimer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais être international, jouer à un certain niveau, ça demande... Avec les Lions de Notable. Voilà, bon. Donc, vraiment, il y a un certain niveau qu'il doit avoir, et ça, il ne l'a pas. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on le dit. On le dit depuis. Baisor, c'est pas quelqu'un qui arrive en sélection nationale du Cameroun. Il est là depuis 2-3 ans. C'est-à-dire, sous Conte Sessa, où il était là. Et Rigobertson l'a fait revenir. Mais on le dit depuis. C'est-à-dire, il y a des matchs des éliminatoires, les plus simples, où il n'a pas pu tenir vraiment sa place. Donc, comment est-ce qu'on insiste donc? Pourquoi donc on insiste autant avec lui? Ça commence à poser vraiment un problème. Alors que J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, parce que lui également, parce que tout le monde a vu que clairement, Tchato méritait de jouer hier. Oui. Tchato méritait de jouer hier. Si Fai Collins n'est pas là, vraiment le pendant de Fai Collins, encore que Fai Collins, ce n'est plus le Fai Collins d'il y a 3-4 ans. Lui également, il doit être mis en concurrence. Il n'a pas de club, il y a beaucoup de choses. Donc, il doit clairement avoir quelqu'un qui prend la relève à droite. Tchato. Pour le moment, on n'a personne. Mais il y a le petit Tchato qui se démarque, qui joue à un niveau très appréciable en Ligue 1 française, et on ne le fait pas jouer. J'ai discuté avec un ami footballeur qui me disait peut-être, voilà, on ne voulait pas le jeter dans le grand bain, parce que voilà, c'est quand même un match couperet, c'était dans un environnement qui ne maîtrise pas. Ça peut passer. Ça peut passer. Et moi, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, OK, peut-être il faut revoir peut-être notre position. Mais à l'avenir, on y clairement, Baisor ne peut plus concurrencer Faye. Baisor ne peut plus être le plan B ou même le plan A au poste de latéral droit. Rigobertson doit ouvrir ce poste. Il doit ouvrir le débat à ce poste. Il y avait Bokele. Si on ne veut pas mettre Enzo Tchato, faites jouer Bokele que vous avez appelé et qui a déjà joué à ce poste et qu'on n'a pratiquement pas vu, parce que je me souviens, face à la Namibie, à Yaoundé, il a joué 45 minutes et on l'a mis dehors. Mais vous le rappelez donc pourquoi? Faites jouer les joueurs pour qu'on voit de quoi est-ce qu'ils sont, ils sont capables. Donc, clairement, en défense, il y a un problème. Et on peut ramener ce problème également à gauche. Mm-hmm. Parce que là-bas, Léandre parlait des sénateurs, mais nous, Tolo, ça fait un moment qu'on lui a déroulé le tapis rouge, sans qu'on ne voit pratiquement rien. C'est-à-dire, il aligne les matchs, il fait tous les matchs en équipe nationale du Cameroun, comme s'il est le meilleur. Il n'est pas le meilleur. Il n'est pas le meilleur. Et il n'a presque pas de concurrence, alors qu'il y a des joueurs qui se démarquent, comme Darlin Yongwa, qu'on a appelé. Faut mettre les joueurs en concurrence, en fait. Moi, c'est ça mon point. L'équipe de France est devenue l'équipe de France. Je parle de l'équipe de France parce que très souvent, c'est elle que l'on prend en référence. Elle est ce qu'elle est parce que Didier Deschamps, il ne tergiverse pas. Il fait jouer les gars.
Il fait jouer les gars. Il n'y a pas de place réservée à qui que ce soit. Il fait jouer tout le monde, même Mbappé, qui aime jouer à l'axe. On le fait jouer sur le côté. Parce que tout le monde doit vraiment mouiller le maillot. Donc, moi, j'ai un problème. Encore que, et en plus, pardon, les deux joueurs que je viens de citer, qui sont des vrais problèmes en ce moment en équipe nationale du Cameroun, Nou Ntolo et Baïso, jouent en MLS. Mmh. Oni, il faut le dire aux téléspectateurs, la MLS, la Major League Soccer, c'est la quatrième, voire la troisième division française. Hein. En termes de niveau. Oui. En termes de niveau, la Major League Soccer, oui. Écoutez les spécialistes, c'est la troisième ou la quatrième division française. C'est-à-dire que c'est la nationale ou bien la, je sais pas, voilà, en France. Donc, si vous avez un joueur qui joue à un bon niveau et qui a un bon niveau et qui joue en France et qui vient en équipe nationale du Cameroun, que vous le faites s'asseoir comme Dalai Yongwa, comme Enzo Chato, et que vous faites jouer les joueurs de Major League Soccer sans qu'on ait rien à dire sur eux, c'est que vous avez un problème. Donc, il faut vraiment remettre les cartes à table, sur la table. Il faut remettre les maillots au sol. Et il faut que les meilleurs prennent les maillots. Et quand on vient à l'axe, vous l'avez dit, et là aussi, peut-être, ça peut être une circonstance atteignante pour Moukoudi qui revient. Il revient. Mais il y a un problème avec la mentalité de certains joueurs. Et lui, il fait partie de ces joueurs-là qui ont une mentalité, j'ai envie de dire, un peu friable. Le concept fighting spirit, je ne suis pas sûr qu'ils sont à l'aise avec. Parce que Moukoudi, il n'a pas fait un mauvais match, mais il ne peut pas faire plus que ça, malheureusement. En équipe nationale du Cameroun, on n'a pas encore vu un gros match de Moukoudi. Et il revenait hier avec les faveurs des pronostics. Il revenait hier avec l'assentiment et la demande du peuple camerounais qui était content de le voir revenir. On a milité pour qu'il revienne. Il a fait un doublé, Coupe Championnat en Grèce. Entre parenthèses, ça pose la question du niveau aussi des championnats dans lesquels nos joueurs évoluent. Hein. Parce que quand on nous dit vraiment qu'ils sont les meilleurs dans leur championnat et tout, quand ils viennent en équipe nationale du Cameroun et qu'ils font ce genre de match, on se dit quand même que vraiment jouer en Grèce, jouer en Amérique et tout ça, c'est pas vraiment ça. Mais au-delà, je crois qu'il y a un problème de mentalité parce qu'on l'a senti fébrile. Mm-hmm. On l'a senti fébrile pour quelqu'un qui connaît déjà la tanière. Il devait rapidement rentrer dans le bain. Mais c'est Wu qui était plus à l'aise que Moukoudi. Oui, oui. Alors que Wu a moins de sélection que Moukoudi. Ça, c'est un problème de mentalité. Et c'est des choses qu'on peut également reprocher à quelqu'un que nous aimons bien, mais qui s'appelle Clinton Dié. Et qui... Moi, j'ai un problème avec Clinton Dié. Parce que j'estime que c'est pas un joueur, c'est plus un joueur qui doit jouer les mégots de match. C'est-à-dire Clinton Dié... Quand il est bon, c'est pour être titulaire en équipe nationale du Cameroun. Oui. Quand il revient en sélection, c'est un peu comme Onana qui revient. C'est-à-dire, si Clinton Dié, vous le faites venir, c'est pour qu'il joue. Parce qu'il a un statut en équipe nationale du Cameroun. Oui. Parce qu'il a un vécu en équipe nationale du Cameroun. Alors qu'il vienne, et que lui-même, dans son attitude, il a toujours cette attitude un peu dilettante, un peu nonchalante, et qu'il se satisfasse de jouer les mégots de match, ça pose un problème sur la mentalité du gars. Non! Tu es au top de ta forme en ce moment. Mm-hmm. Tu dois jouer. Mais... S'il y a un problème, parce qu'il y a un problème, on l'a vu avec les couloirs camerounais, il ne peut pas y avoir un problème et Clinton Dié est là. Toko Ekambi ne s'est presque pas entraîné durant la semaine. Mais il joue. Il y a un problème. S'il arrive à jouer, c'est que Clinton Dié n'est pas satisfaisant. C'est que Mouminga Maleu n'est pas satisfaisant. Oui. Parce que, on le rappelle bien, les nouvelles qui nous sont venues des Garoua, c'est que Toko n'est pas au top de sa forme. Et on n'a même pas besoin d'avoir les nouvelles des Garoua. On le suit depuis au moins un an. Toko n'est pas au top de sa forme. Il a été détruit mentalement à Lyon par Laurent Blanc et par les supporters. Ouais. Au Mondial, on avait déjà un fantôme Toko Ekambi. Il a eu un problème pour trouver un club. Il vient à peine de trouver un club. Il n'a presque pas fait de préparation physique, mais on le fait jouer. Il ne peut donner que ce qu'il a donné. Mais là, au-delà de ça, ça pose le problème de savoir mais où est la concurrence. Mm-hmm. Pourquoi on n'a pas fait jouer les autres? Pourquoi on est obligé de faire absolument avec ceux qui reviennent de blessure? Choupo-Moti revient de blessure. On le met dans un poste où il n'est pas à l'aise, où il doit faire des efforts défensifs. Est-ce qu'on est obligé de faire avec Choupo et Aboubakar? Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire avec les deux? Oui, on va me dire, il y avait un résultat qu'on devait absolument avoir. Mais au bout d'un moment, au bout de 60 minutes, vous voyez que ça ne marche vraiment pas. Mais vous durcissez, vous le gardez, vous les gardez. Alors que les quatre devant, ça ne matche pas.
ça ne matche vraiment pas. Il faut changer, il faut bouger. Donc c'est cette mentalité un peu friable, quand même aussi le sélectionneur qui peut poser problème. Merci beaucoup. Coach, en fait, vous êtes une coach, un entraîneur. Est-ce que je veux parler, I want to, you know, you to get your own point of view as a coach. Est-ce que dans un match comme ça, vous, quand tu viens en tant qu'entraîneur, tu veux mettre les joueurs que tu connais déjà, ton effectif, tu sais que Choupo, Aboubakar, Vincent, a duo that has worked before, tu ne veux pas tester, parce que c'est un match très, very difficult and very, you know, very important. Est-ce que ce n'est pas de ce... it's not from that angle Rigobert Song was coming from. Le football est dynamique. Le football n'est pas statique. Le football est dynamique. Tu peux être en forme aujourd'hui, demain, tu es en méforme. Maintenant, le coach... Et puis, on regarde tous les paramètres. Il est très important de connaître, c'est-à-dire que les paramètres des joueurs. Parce que le côté athlétique est le socle qui supporte le côté technico-tactique. Si tu as des joueurs qui physiquement ne sont pas bien, tu auras des problèmes. Aujourd'hui, ce que j'ai vu les deux joueurs produire, Aboubakar et Choupo, en termes de débauche d'énergie, il n'est pas indiqué aujourd'hui d'aligner les deux. Moi, je ne veux pas critiquer l'entraîneur parce que je suis entraîneur, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Nous tous, nous connaissons souvent ces points. Tu peux préparer une équipe toute la semaine, tu viens le dimanche, tu ne reconnais même pas tes joueurs. Parce que parfois, le match, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en compte. Il y a des facteurs exogènes qui peuvent venir perturber la sérénité des joueurs. Et puis, tu as deux ou trois qui passent à côté d'un match. Mais sur le plan athlétique, au vu de ce que moi, j'ai regardé en termes de débauche d'énergie, il n'est pas prudent d'aligner les deux joueurs dans un match couperet, un match qui n'a pas d'enjeu, où nous savons que nous sommes déjà qualifiés, on peut faire tourner, on peut encore s'amuser à aligner les deux joueurs. Mais au vu de ce que j'ai vu ces deux-là produire, en termes de dépôt d'énergie, ce n'est pas indiqué d'aligner ces deux joueurs. Parce qu'après, c'est le milieu terrain qui va en pâtir. Parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes densifient le milieu terrain parce que c'est le cœur du jeu. C'est de là que les actions décisives partent, pour la plupart, quoi. Donc, aligner Choupo et Moting par rapport à ce que j'ai vu sur le plan athlétique. Choupo Aboubakar, sur le plan athlétique, par rapport à ce qu'ils ont produit, pour moi, ça me pose un petit problème. Parce que leur activité, je n'ai pas senti leur activité pendant tout le temps que Choupo a mis sur le terrain et Aboubakar qui a fini le match. Mais je pense que pour Aboubakar, jouant dans son village, voilà, J'appelle ça comme ça, je crois que le laisser pendant tout le match, c'était aussi lui faire honneur et une manière quand même de le remercier par rapport à tous les services qu'il rend à l'équipe nationale depuis. Parce que moi, je pense qu'il est déjà sortant avec sa prestation que j'ai encore vue hier. C'est vrai, il est un renard de surface, mais il est déjà sortant en termes de débauche d'énergie. Nous ne perdons pas ça de vue. Le socle, ça veut dire que d'un joueur ou alors d'une équipe qui se veut forte dans une compétition, il faut que tu aies les joueurs athlétiquement qui répondent à un certain minima qu'on demande sur le plan athlétique. Je voulais juste dire, peut-être par rapport à Choupo, à Bakar, en faisant un peu la réflexion, on s'est peut-être laissé tromper sur ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Parce qu'à la Coupe du Monde, face à la Serbie, on les aligne et les deux marquent. Sauf que vous allez remarquer que on était dans une situation. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un résultat. Un peu comme hier, mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait. Et donc, du coup, peut-être le coach s'est dit, je vais retenter le coup. Mais comme je dis, ce n'était pas exactement cela. Parce que face à la Serbie, il fallait piquer non seulement aussi au vif Aboubakar, qui était resté sur le banc face à la Suisse. Et donc, il était vraiment dans une attitude de revanche. Et donc, quand il entre, il fait ce qu'il fait. Et les deux
arrivent à marquer et on reste sur ce truc-là. Mais ce sera difficile de les aligner. C'est ce qu'on a vu hier, en tout cas. Ce sera difficile de les aligner parce que les deux ne font pas des efforts et les deux un peu se marchent sur les pieds. Et les deux, comme le coach a dit, ont déjà de l'âge. C'est-à-dire, tu mets Choupo dans une position de 10. 10 demande que tu fasses certains efforts. 10 demande que tu fasses... En fait, tu as, on a envie de... Le soutien est partout. Exactement. Et je crois aussi qu'il y a le fait que, je crois, hein, le coach est resté sur Cameroun-Serbie, sur la Coupe du Monde, donc. Et aussi le statut des deux. Le statut des deux. C'est-à-dire, on a mis Abakar sur le banc de touche à la Coupe du Monde. Il n'avait pas aimé, hein. Oui, oui. Il n'avait vraiment pas aimé. On lui a retiré le Wassa. Il n'avait vraiment pas aimé. Pourquoi ? Parce qu'on se disait, Choupo était dans une spirale exceptionnelle. C'est lui qui méritait le poste de numéro 9. Le coach a fait un choix. Après, le choix a été un peu bizarre parce que Abaka a renversé la vapeur. C'est lui qui rentre, c'est lui qui marque, c'est lui qui fait me marquer, c'est lui que vous avez fait titulaire. Ça chamboule les plans du coach. Le coach est obligé de remettre Abakar en neuf. Sauf que tu as toujours Choupo avec son statut sur le banc. Du coup, le coach est là. Je crois que Ribes, on doit parler avec eux. On a comme l'impression qu'on veut fuir les problèmes en les alignant tous les deux. Ribes doit parler avec eux parce qu'il les aura encore en Côte d'Ivoire. Ouais. Il doit pouvoir les asseoir pour leur dire, les gars, peut-être jouer avec vous à deux, c'est compliqué. Ouais. Mais quand il y aura des situations, comme face à la Serbie, on peut sortir quelqu'un du banc. On peut, voilà, parce que ni l'un ni l'autre, personne ne peut jouer ailleurs. Les deux sont des axios. Tu mets Choupo sur le couloir, tu l'as perdu. Il y a des efforts qu'il ne fera jamais. Tu mets Abakar là-bas, tu l'as perdu. Il y a des efforts qu'il ne fera jamais. Donc les deux, c'est les neuf de l'équipe. Mais il faut donc pouvoir parler avec les deux pour leur dire, les gars, vous ne pouvez peut-être pas jouer ensemble parce que ça pénalise le groupe au regard du match d'hier. Il faut aussi voir aussi dans le sens que c'est vrai aussi, hier, le système que le coach a mis en place, on a eu les latéraux, que là où il fallait que le ballon avance. Tu vois, on donne le ballon, il est au centre, lui est au centre. Choupo est là, il y a un joueur qui vient là. Bon, lui, il refuse de faire la passe, il récupère en arrière. Ça pose problème, il faut comprendre. Parce que tu vois un peu, ça pose problème. Là, maintenant, ça casse complètement le jeu. Oh, s'il aurait dû faire la passe et même demander, ça allait faire offensivement que peut-être Choupo aurait fait même son travail. Mais quand tu casses même le jeu là, comme ça, là, du coup, même au sud à gauche, tu vois, le 2 arrière gauche, à droite, à gauche, ça ne donne pas. Et voir aussi que Toko, il ne barre pas hier. Il faut comprendre, regardez. C'est vrai que je n'ai pas encore voulu. Donc maintenant, Choupo ne pouvait pas. Ce qui est... Tu comprends pas, il ne pouvait pas parce que même s'il revenait, ils étaient trois. Donc dis même qu'ils étaient trois milieux et qu'il y a cinq Burundiens. Ils vont faire comment? Non, en deuxième mi-temps, il revenait, sauf que ce n'est pas un gars qui a une activité débordante. Exactement. Pour moi, il y a ce problème, c'est ça. Et il n'est plus jeune. Il n'est plus jeune. Donc faire avec les deux en 90 minutes pour aller sur une durée, moi, personnellement, ça me pose problème. Moi, les deux, ça me pose problème. Ça peut peut-être, comme tu dis, mais ce n'est pas un problème parce que tu peux même peut-être, il est même peut-être dit que hier même, il est peut-être un peu sous blessure. Mais oui, bien sûr. Tu comprends un peu. Il revient sur lui, quand il veut jouer, il veut jouer. Là où il peut encore jouer. Mais le problème, il regarde le match là, c'est les deux latéraux. Oui, en fait, aujourd'hui, manager, on parle de l'équilibre, il faut trouver un équilibre. Exactement. Je suis d'accord avec Hervé. Il faut que le sélectionneur discute avec les deux gars. Ils sont plus à l'aise en numéro 9. Mm-hmm. En numéro 9. Maintenant, s'il faille, ça veut dire que tenir compte de leur. S'il faut, pardon. Parce que s'il faille là, en principe, ce n'est pas le bon français. En principe, on parle football. Donc s'il faut utiliser les deux, forcément, pour moi, aujourd'hui, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que le milieu de terrain, c'est le cœur de l'équipe. C'est l'endroit qu'il faut densifier. Or, en faisant jouer les deux, on va pénaliser. Ouais. Le milieu de terrain sera pénalisé. Maintenant, comme on est en train de pousser dans l'analyse, moi j'ai vu deux latéraux qui ne nous ont rien proposé hier. Rien du tout. Donc, vraiment, moi je ne voulais pas. Je me disais qu'en avançant, nous allons continuer à analyser. J'ai vu deux latéraux qui ne nous ont rien produit. Et Hervé, tu as dit quelque chose de pertinent. Depuis, nous sommes dans un confort
qui ne dit pas son nom. Il n'y a personne. Qui ne dit pas son nom. Il n'a aucune concurrence. On a mis Yongo de côté, donc il est seul. Si aujourd'hui, on ne redistribue pas les cartes, on ne met pas une concurrence sur la table, on aura des problèmes. Parce que ce gars aujourd'hui est dans un confort pas possible. Il n'apporte pratiquement rien. J'ai même vu des choses terribles hier. J'ai même l'impression qu'il commence à baisser. Ça peut être le niveau du championnat, comme tu disais, Hervé. J'ai vu des centres où les adversaires venaient couper. Le gars était complètement en train de rêver. On vient couper devant lui pour têter le ballon. Moi, je ne comprenais rien. Pourtant, je le connais de quelqu'un de vif qui défensivement est solide, mais qui a des problèmes peut-être pour se projeter vers l'avant. Tu as un gars comme Baïzo, mais tu as même l'impression qu'il a peur du ballon. C'est-à-dire qu'il ne peut rien t'apporter sur le plan offensif. Et aujourd'hui, nous avons constaté un problème qui a notre équipe a manqué de maîtrise de jeu. C'est-à-dire que tu ne voyais même pas. Même notre organisation n'était même pas visible. On jouait dans un 4-2-4. Mais l'organisation même n'était pas visible. Pourquoi ? Si tu as les latéraux qui ne peuvent pas participer dans le jeu. Mais ton jeu va ressortir comment ? On va voir ton jeu comment ? Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui peuvent faire ce travail ? Il y en a. Je pense qu'il y en a, tu l'as dit, il y en a qui peuvent faire ce travail. Il faut redistribuer les cartes. Si les gens doivent avoir, ça veut dire que les garanties au poste, des assurances au poste, ça pose un problème. Donc il faut redistribuer les cartes. Individuellement, il y a du talent, mais sur le plan collectif, il y a beaucoup de choses à faire. Non, moi, je pense que individuellement, il y a du talent, mais pas tant que ça. Non, quand je dis dans ce groupe, cinq joueurs que d'autres sélections nous envient. Mais je veux épouser plutôt l'analyse. Dans ce groupe, tout à l'heure, Hervé a parlé d'Enzo Chato, qui n'a pas joué, mais qui est dans le groupe. Donc dans ce groupe, il y a du talent. Il y a le petit Mougué, c'est des joueurs qui ont du talent. Mais qui n'ont pas d'expérience internationale, il faut savoir que... Oui, c'est des jeunes qu'on peut injecter progressivement. Et moi, par expérience, ou alors de manière empirique, notre équipe nationale, le maillot de l'équipe nationale pose énormément de problèmes à certains joueurs, surtout les binationaux. Ce maillot, quand je vois les performances de ces gars en club, je vais prendre l'exemple de Memo, qui pour moi a été le meilleur Memo en équipe nationale hier. Quand je vois ses performances, ça veut dire que en Premier League, je vois ce qu'il produit en équipe nationale, j'ai l'impression que ce maillot vert rouge, lorsqu'on l'a mis, ce maillot pèse. Ils le disent, même en off, Il y a des joueurs que tu vois en club réaliser des performances XXL, mais quand ils arrivent en équipe nationale, c'est un autre monde. Donc peut-être c'est là qu'il faut peut-être travailler, c'est-à-dire que leur inculquer l'ADN de l'équipe nationale et notre fighting spirit, surtout pour ceux qui n'ont pas joué notre championnat. Je crois qu'à partir de là, on pourra avoir leur potentiel vraiment en pleine plénitude pour que le Cameroun gagne. Okay. Moi, je voulais la donner d'excuse. Je voulais chuter sur l'analyse d'Hervé, qui est très pertinente sur son devrait faire asseoir ses cadres. Parce qu'il faut dire que quand on récupère cette équipe, on a un Choupo-Moting qui est en train de bouder la sélection. On a un Aboubakar qui est vieillissant. Et quand il arrive en plus, il y a le problème où on en a qui se pose. Ça veut dire qu'il y a une petite crise de responsabilité du sélectionneur. C'est un entraîneur qui ose. Quand vous voyez les équipes qu'il propose pour des matchs décisifs, par exemple, quand on quitte Japoma pour aller à Blida, il ose avec un nouveau système, avec de nouveaux hommes. Oui. Et on parvient à avoir le résultat. Donc maintenant, son est limité. Pourquoi ? Il a besoin d'accumuler un peu de confiance des hommes cadres de cette équipe. Parce qu'il y a déjà le problème Onana. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fédérer les autres grosses têtes, comme lui-même il a souvent dit. C'est pour ça qu'il ne peut pas se permettre de prendre le risque de mettre soit Toko, soit Choupo, soit Aboubakar sur le banc de touche. Parce que comme Hervé l'a dit, Aboubakar a boudé quand on a mis Choupo titulaire en Coupe du Monde. Choupo a boudé quand Contessao l'a mis remplaçant. Onana,
sort d'une crise où il boude l'équipe nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour avoir ton équipe en main? Il faut laisser les cadres la jouer. Je pense que maintenant qu'on a passé la qualification, le moment est venu pour Sangdong de faire asseoir ses cadres. Parce qu'on a vu, même Baïzo, c'est toujours dans cette logique de faire avec les cadres, parce qu'il ne faut pas casser en deux. Oui. On se dit déjà de façon extérieure que le groupe est divisé, il y a les pros Onana et les pros Song. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fédérer le maximum de cadres. Les cadres, c'est qui? C'est nous, Tolo, c'est Baïzo, Toko Ekambi, Choupo, tout ça. Donc, s'ils sont maintenant, viens avec les nouveaux. Ça veut dire quoi? S'il met Mugé à la place de Choupo Moting, il met Chato à la place de Mbaizo, il met peut-être Bokele. Mais vous voyez qu'il a cassé tout. Et c'est un vestiaire qui peut voler en éclat parce que les cadres vont dire, voilà, le type-là est véritablement en train de nous chasser de l'équipe nationale et on va former quelque chose d'autre. Donc je pense que la rencontre d'hier, c'était une espèce de dernière chance pour cela. Mais on a vu les limites et je pense que son même valeur dit que vous avez vu ce qu'on a fait. Donc maintenant, on va essayer avec d'autres choses. Ça, c'est sur l'analyse qui n'est pas sur le plan sportif. Je voulais c'est très important. Juste une petite virgule pour dire que moi, personnellement, et ça, c'est une confession, je pensais que son... voilà, on le disait, il ne maîtrisait pas l'équipe. Je crois qu'il maîtrise. Je crois qu'on le respecte. Les joueurs le respectent énormément. Vraiment, hier, vraiment, je l'ai vraiment ressenti. J'ai ressenti que Song est peut-être lui-même, il ne s'en rend pas suffisamment compte, mais il est vraiment le boss de cette équipe. Oui. Je prends un cliché. Quand les gars reviennent, je crois certains spécialistes l'ont dit sur le plateau. Beaucoup de gens disent, erreur burundaise et tout, mais il y a quand même un pressing qui fait en sorte que le joueur burundais, là, le défenseur, il se loupe. Et s'il ne voit pas le pressing de Memo, il ne rate pas son contrôle. Je crois qu'il y a eu un discours dans le vestiaire. Je crois que son a dû leur dire, les gars, vraiment, si vous voulez ne pas partir, si vous voulez rater la CAN, vraiment, continuez comme ça. Je crois qu'il a dû vraiment les sermonner. Dans les vestiaires et ça rejoint un peu ce qu'on avait vu contre le Mexique. Il a beaucoup de... En fait, les joueurs le craignent. Peut-être Hervé, lui-même, il ne s'en rend pas compte, mais les joueurs le craignent. Hervé, pour l'avoir côtoyé, parce que c'est quelqu'un que je côtoie, qui est de temps en temps avec moi, son côté fort, c'est booster les joueurs. Ouais. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui disent non, son, il n'a pas le niveau et tout... Quand Song te prépare mentalement, tu crois même que tu as déjà gagné le match sans entrer. Les gens ne connaissent pas ce côté. Exactement. Parce qu'on se serait dit qu'avec la première mi-temps qu'on a faite, on aurait changé littéralement en deuxième mi-temps pour avoir notre visage. Mais il a juste apporté le discours et laissé les mêmes hommes jusqu'à la 80e. Il avait une certaine vision qu'il a conservée. Il n'a pas paniqué. Du coup, je pense que là où il doit le plus travailler, c'est la technique. Parce que en thème, vraiment comme nous sommes en train de le dire, en thème de maîtrise, de poigne et tout, ben c'est du son en fait. Ouais. C'est du son. Et il réussit à faire rejaillir ça, à transférer ce Hemlé là, entre guillemets, sur ses joueurs, sur son équipe. Maintenant, il faut qu'il travaille maintenant les plans de jeu. Vraiment le côté purement tactico. Technique de son équipe, et puis comme on a dit, hein, qu'il fasse asseoir ses cadres et qu'il leur parle les yeux dans les yeux pour leur dire, voilà les gars, je vais avec toi, mais tu ne joueras pas. Il y a des sélectionneurs qui le font. Je vais avec toi, mais tu joueras 10 minutes. Nous le faisons en club. Lorsque tu as des joueurs qui ont une forte personnalité et qui se retrouvent à un même poste, tu discutes avec eux. Tu leur dis, écoutez les gars, de temps en temps, il sera possible que je vous utilise à deux, mais c'est souvent un qui va commencer et l'autre va venir après en fonction de l'évolution, de l'évolution du match. Donc j'emboîte directement en disant ceci, je suis convaincu qu'à la mi-temps, les ingrédients qu'il fallait ajouter, je croyais que Song les a utilisés pour forcer le destin maintenant. Parce que là, il fallait forcer le destin. Parce que partir à 0-0 dans un match couperet, quoi qu'on dise, moi j'ai vu les gars sortis à la mi-temps. Quand tu les regardais sur le visage, défaite, les gars, ils étaient stressés. Il y avait plein qui étaient stressés. Oui. Tu les sentais, tu sentais les gars
qui ont perdu un peu en confiance. Surtout mais qu'en termes d'action, d'occasion, ouais. On était menés. Nous sommes déjà dans la deuxième mi-temps, coach. Vraiment. On attend encore. Il dit que nous sommes déjà à la deuxième mi-temps. Oui, et on a vraiment fait beaucoup de bonnes analyses pour souligner aussi les discours qui sont tenus même après ce one not stressful first half. Parlons un peu, qu'est-ce qui a changé en ce deuxième in the second half? We saw a different change. I mean, we could even see Vincent Aboubakar moving backward to defend. I mean, so many crosses that he sent out. What exactly changed in that second half? Le discours. Moi, connaissant Rigaud, il a pompé les gars là psychologiquement. Ça, je sais que c'est son point fort. Maintenant, un réajustement sur le plan tactique. Parce que là, nous avons été amorphes en première mi-temps. Là, si vous avez constaté, comme moi, beaucoup d'agressivité en deuxième mi-temps et beaucoup de combativité et les duels gagnés. On a gagné beaucoup de duels. On a été plus combatifs, on a été plus agressifs. Maintenant, pour rejoindre Hervé, Mbeumo déclenche un pressing. La vitesse avec laquelle il déclenche son pressing perturbe le joueur le défenseur sur sa réflexion. Qu'est-ce que je fais? Je fais un contrôle, je joue avec le gars. Dans cette hésitation, la passe a été molle. La passe a été molle. Mm-hmm. Et pendant qu'il déclenchait son pressing, il y a Aboubakar qui était en train d'arriver. Donc, le discours est les nouvelles dispositions. Donc, sur le plan tactique, il y a eu ce réajustement. Son a dû les pousser. Attendez, les gars, on est quand même chez nous. Vous n'allez pas laisser les Burundais s'amuser comme si... Attends, c'est quoi cette histoire? Quel est ce cliché que vous nous présentez là? Attends, si vous ne voulez pas jouer, ok, c'est mieux de ranger les godasses et puis on rentre à la maison. Il a dû les secouer. Je crois qu'il a dû les secouer. Et là, nous sommes revenus avec ces intentions-là. Maintenant, peut-être qu'au niveau, on a été laborieux, parce que c'est sur deux erreurs individuelles qu'on marque deux buts, et puis l'autre but sur une balle arrêtée. Je crois que, en conclusion, il nous a manqué beaucoup de maîtrise dans le jeu de manière globale, la visibilité au niveau de notre organisation. On n'a pas trop vu, mais, comme je l'ai dit, je suis d'abord Camerounais. La qualif a été là. On a gagné sans briller. Mais c'était le plus important. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à travailler. Je crois que, comme Hervé et Alexandre le disaient, Rigaud a maintenant du pain sur la planche. Je crois que la Coupe des Nations, c'est en janvier. Il a le temps de travailler. Il a le temps de discuter avec les cadres, comme Hervé disait, pour essayer de gérer les égos et fédérer les énergies pour que on ait une équipe solide en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour conclure, ou alors pour chuter, à ma connaissance, ou alors par expérience, le Cameroun a rarement dominé outrageusement ses adversaires dans les compétitions. Et il faut qu'on le retienne. Nous avons nos caractéristiques. Le Cameroun, c'est une équipe qui subit beaucoup, mais qui a cette mentalité, ce que les autres équipes n'ont pas. Je vais paraphraser Joseph-Antoine Bell qui dit toujours que le Cameroun a quelque chose que les autres nations n'ont pas, que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à expliquer. Le Cameroun peut subir tout un match, à la fin, le Cameroun gagne. Et le plus important dans une compétition, c'est de savoir gérer la compétition et de gagner à la fin. Parce que l'histoire va retenir le vainqueur. Mm-hmm. L'histoire ne va pas retenir celui qui a coach, bien joué, qui a bien élaboré. Et aujourd'hui même, ce n'est pas les équipes qui ont la maîtrise du ballon ou alors la maîtrise du jeu qui finissent par gagner. Hein. Parce qu'il y a tellement de transitions aujourd'hui. Quand tu as même le ballon, c'est l'adversaire qui est plus dangereux. Parce que c'est quand tu perds le ballon que tu as en difficulté. Parce que cette reconversion, moi je me rappelle, je vais un peu illustrer ça comme ça. Le Real de Madrid de Zidane. Le Real de Madrid de Zidane, quand tu avais le ballon, tu avais l'impression que tu contrôles le ballon. Mais chaque fois que le Real récupérait le ballon, il y avait au moins 6 joueurs devant tes buts. Hein. Et c'est ça qui faisait la force du Real. Donc, ce n'est pas parce que tu as la maîtrise
du jeu que forcément tu vas gagner le match. Donc le Cameroun a cette habitude de subir et de pouvoir ressortir pour gagner. Oui. Et c'est ça les grandes équipes font, le dos rond et assurer le résultat. C'est ça le Cameroun. Le Cameroun a gagné. Là, je mets un peu le cœur, hein, parce que je suis Camerounais. You know, you mentioned it from the very start that you're really a patriotic Cameroonian and one fervent supporter of the Indomitable Lions. Now we have the qualification that we were looking for, and I mean we've done round the tables, highlighted the fact that we need new players. These players should also get competitors for the different posts they hold. Now we talked on one player that has been brilliant in the night, and that was Andre Onana. And Rigobert Song clearly stated that Andre Onana is one of the leaders in this squad, and he never doubted his potentials. Well, let's listen to him. Andre Onana, Rigobert Song, post-match press conference, explains that Andre Onana was brilliant and he has never doubted his potentials as he is one of the leaders in this side. Andre, je suis vraiment très content de sa performance. Je ne l'ai jamais. Au contraire, il fait partie des leaders. On ne doute pas de ce qu'il a démontré encore aujourd'hui. Vous avez vu le nombre d'arrêts qu'il a pu faire. Il démontre encore une fois de plus qu'il fait partie des meilleurs. Donc vraiment, on est satisfait de sa performance et nous souhaitons qu'on continue dans cette lancée. Liandre, I want to ask you, what is your rating of Andre Onana's performance last night? Je pense que, je l'ai dit, si on a voulu Andre Onana, je pense que certains pensaient que c'était des raisons diplomatiques ou alors pour calmer ou apaiser. Mais je pense que la première raison pour laquelle on voulait le retour d'André, c'est parce que c'est littéralement l'un des meilleurs gardiens au monde aujourd'hui, notre meilleur joueur actuellement. Parce que sur la valeur marchande, c'est le Camerounais qui a la plus grosse valeur marchande. On n'a pas un joueur qui dépasse Andre Onana. Donc, comment se passer de sa meilleure arme quand on a une véritable volonté de bien faire ou de gagner quelque chose? Je pense que c'est la moindre des choses, c'est d'avoir Andre Onana aujourd'hui. Et le retour d'Andre Onana, que certains ont dit qu'il revenait en traînant des pieds, mais il les a pris à contre-pied. Parce que je pense qu'en voyant la performance d'Andre Onana, déjà même dans son attitude, dans son langage, dans son body language, depuis son arrivée dans la tanière, on a compris que André était passé à autre chose. Les épisodes passés étaient derrière et qu'il est revenu entier. Il n'est pas venu bouder, il n'est pas venu tirer les pieds, il n'est pas venu gérer certains problèmes extrasportifs. Il est venu parce qu'il pensait qu'il avait quelque chose à apporter à l'équipe nationale du Cameroun. Et on l'a vu hier, on a eu notre meilleur joueur à son meilleur niveau. Et on a vu que André Onana était l'un des meilleurs André Onana de l'histoire du Cameroun. Et l'histoire veut que André Onana a souvent été très décisif lors des gros matchs. On l'a vu ici à Japoma. Moi, je l'ai vu ici à Japoma contre la Côte d'Ivoire. On avait vu un excellent André Onana. Contre l'Algérie à Blida, on a eu un excellent André Onana. Donc je pense que, comme le sélectionneur l'a dit, ça n'allait que de soi de voir que André était à son meilleur niveau hier et chaque équipe comptait sur ses meilleurs éléments. Donc on a eu droit à notre meilleur joueur hier à son meilleur niveau. Voilà pourquoi le Cameroun va à la mi-temps avec 100 buts encaissés, parce que le coach l'a dit ici, c'est Didion qui l'a dit, il a vu 2 buts, moi j'en ai vu 3 où clairement un gardien d'un niveau pas au niveau moindre qu'André Onana aurait pris sans mal jouer, 3 buts. 3 buts clairs. D'accord. Mais on a eu toi, un André Onana de classe mondiale. Et j'espère que la performance avec les Lions Indomptables va entraîner de meilleures performances avec son club, parce qu'on l'a vu, c'est pas trop ça. Du côté de Manchester, je pense qu'après avoir eu de telles performances avec le Cameroun, tous les Camerounais devront désormais
vouloir qu'André ait de belles performances en club et ça va suivre. Je pense que c'est la dynamique, le football c'est ça. Quand vous avez de belles performances en équipe nationale ou en club, vous venez reproduire la même chose ailleurs. Donc pour moi, je pense qu'on a eu droit à un bon André Onana. Tant mieux pour le Cameroun. Merci beaucoup. So yesterday, we had a coach, the coach of Burundi, that clearly stated that Cameroonians should have confidence in Rigobert Song. I mean, that was really a bold statement after being asked if what his appraisal of the national team, and he said Cameroonians should be confident of Rigobert Song and give him all the support that he needs. We'll go listen to that and I'll come back and we'll round up with also some suggestion on how we can better this team while waiting for the Africa Cup of Nations. We'll get to Burundi's coach. Je respecte aussi mon grand frère, qui a réussi à faire le match avec Burundi à travailler. Donc, ils ont pu continuer à travailler à quoi le supporter, tous les étrangers sont chez eux. Donc, je vous conseille d'avoir confiance en eux, de les pousser. Ils vont aller loin. Si vous avez confiance, ne méprise pas le travail qu'ils font. En tout cas, ils méritent. Votre soutien mérite la patience, il faut lui donner la confiance. Si, par exemple, vous, comme Camerounais, vous n'avez pas la confiance de votre équipe, qui sera confiante de votre équipe personne. Donc, c'est bien. Je pense que si vous continuez à travailler, mais aussi votre rapport pour le soutien, c'est très, très important. Ils vont y arriver. Listen to him, and I'm just going to ask a few questions before we close La Nuit du Sport right here on Spectrum Television. I start with you, Heve. Give Rigobert Song all the confidence that we need to give or have confidence in Rigobert Song. But apart from that, what else can be done in preparations for the Africa Cup of Nations? Écoutez, il y a beaucoup de travail, comme on le disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de travail et on a des matchs qui peuvent nous aider. Moi, je suis content déjà de savoir que la FECAFOOT a dégoté un contrat pour un match amical avec, contre le Sénégal. Je crois que c'est en octobre à Lens, en France. Ensuite, il y a ces matchs des qualifs de la Coupe du Monde 2026 qui vont donc amener Rigobert. Il y a clairement pas de temps d'observation. On doit être prêt dans les tout prochains mois avant d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis on l'a dit, il faut clairement rejeter les cartes sur la table ou les maillots au sol au poste de latéral droit. Qui sont les joueurs qui sont potentiellement sélectionnables? À gauche, il faut qu'on mette clairement Ntolo en concurrence. C'est pas qu'on le chasse, mais on doit le mettre en concurrence parce qu'il est trop à l'aise. Même au poste de gardien de but, hein, même si tout le monde pense que voilà, Onana et moi avec, hein, c'est un monde d'écart avec tous les autres. Mais moi, je suis d'avis aussi, le coach l'a dit, il a fait son job. Vraiment, il a fait son job. On l'a appelé pour cela. Pour moi, il n'y a pas à être... Non, il a fait son job. Onana, ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'on attend de lui. On attend même mieux. On attend même davantage. Parce que Léandre aussi l'a dit, c'est le meilleur joueur du Cameroun. Le meilleur joueur du Cameroun, ce n'est pas un attaquant. Ce n'est pas un milieu. Il s'appelle André Onana. C'est la plus grande vedette du Cameroun. Donc, il doit nous amener plus haut. Il doit... moi, j'attends encore de voir les rapports avec le sélectionneur. J'attends de voir les rapports avec les autres. Pour moi, c'est pas encore fini. Parce que souvent, l'équipe nationale du Cameroun, les footballeurs sont particuliers. Hein. Il suffit d'une petite étincelle pour que ça reprenne. Hein. Il suffit d'un petit quelque chose. Donc, il faudrait que les gars, il faudrait vraiment qu'on voit un sélectionneur. Léon Glandy, moi, j'insiste dessus. Avec ses cadres, vous parlez des chantiers. Le coach doit avoir des cadres avec qui il parle. On doit savoir que dans cette équipe nationale, il y a une vraie ossature sur le terrain. Les quatre, c'est sur le terrain. Parce qu'on a comme l'impression qu'on a diminué certains. On a comme l'impression qu'on a dépossédé l'âme de certains. C'est-à-dire, quand tu vois Zambo, Anguissa joue aujourd'hui, tu as comme l'impression qu'il fait seulement le strict minimum. Il est bon. Il a été bon hier. Mais les gars doivent être vraiment des leaders. Des gars à qui on confie les clés de la maison. On leur dit, les gars, on ne gagne pas une équipe, un trophée sans...
sans confier les clés à des leaders. On doit leur donner les clés. On doit dire, Onana, voilà le cadre dans lequel on te veut. Zambo, voilà le cadre dans lequel on te veut. Abou, voilà le cadre dans lequel on te veut. Mais on ne peut pas dire, on peut pas. C'est à eux qu'appartient l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient plus à Rigobert Song ou à Samuel Eto'o. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il ne faudrait pas que le sélectionneur n'est pas la star de l'équipe. C'est eux qui jouent leur temps. C'est eux qui peuvent nous faire gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on doit leur remettre les clés en leur disant, voici les quatre dans lesquels on vous permet de fonctionner, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. On ne doit pas leur imposer tout. Non, on doit leur laisser cette liberté de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que c'est ça qui va nous apporter, qui va nous donner la Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi, je dirais vraiment en un mot comme en mille, voilà ce qu'il faut travailler. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la volonté, mais il y a un travail tactique, technique qu'il faut faire. Moi, je me demande jusqu'à aujourd'hui, quand je vois l'équipe nationale du Cameroun, jusqu'à hier en tout cas, comment ils font pour déstabiliser l'adversaire. On semble n'avoir pas de solution pour ça. Il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de basculement. C'est une équipe statique, c'est une équipe apathique. On joue aussi comme ça. C'est comme si on a mis 11 gars sur le terrain et c'est comme si on leur dit « débrouillez-vous ». Ça, c'est un problème. On l'a dit depuis la Coupe du Monde, on continue à le voir. Il faudrait qu'on déstabilise, que les gars travaillent à un déséquilibre. J'utilise des mots des entraîneurs, mais c'est eux qui peuvent mieux le dire. Il faut qu'on arrête de balancer les ballons. On use trop de longs ballons. Genre, vraiment, on met dans la boîte. On met dans la boîte et les gars doivent se débrouiller. Non, ils ne doivent pas se débrouiller. Ils doivent avoir un schéma. Ils doivent avoir un plan de jeu qui amène qui nous amène à voir comment l'adversaire est déstabilisé et perd. Ce n'est pas que l'équipe nationale commence à jouer du tiki-taka. Les Lions ne joueront jamais du tiki-taka, on l'a dit. Ce n'est pas notre style. Mais en 2000, avec les Lions indomptables du Cameroun, on a vu des choses qui ont plu. 2002. On a vu des choses qui ont plu. On a vu des dédoublements. Il y a eu des pairs qui ont marqué les esprits des Camerounais. Jérémy, Etame Maier, Olembe, Wemé sont restés gravés dans la tête des Camerounais parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Au milieu de terrain, tu avais Foué qui régnait en mer. Donc, c'est possible d'avoir ce genre d'équipe. On a peut-être pas des gros talents, mais on a des gars qui sont en train de montrer des choses, qui sont en train de prouver qu'ils peuvent le faire au milieu de terrain aujourd'hui. Vraiment, si vous me ramenez une autre personne, moi, je vais me poser des problèmes. Comme Nzambo sont les patrons du milieu de terrain. On peut leur ajouter un ou deux autres joueurs, mais c'est eux à qui on doit clairement confier le milieu de terrain. Il n'y a plus à aller chercher les Malons. Non, c'est fini. Il faut se dire les choses. Les Onana, c'est bon. Ils ne peuvent pas jouer devant Kemen et devant Zambo. C'est eux les patrons du milieu de terrain. On doit y associer un ou deux autres éléments en fonction des systèmes des équipes adverses. Mais c'est eux les milieux de terrain. Donc, voilà des joueurs qui se démarrent. Le coach doit avoir des joueurs qui se démarrent, des joueurs qui font l'affaire, et puis c'est possible de gagner. Merci beaucoup, Mr. Afou. De gagner un trophée, pas un gagner match. Un trophée. Thank you so much, Mr. Afou. Moving forward, what would you like to see change in this team? Really, for me, what I would like to see change in this team is... I will start to talk to the coach first before anything. I want to let the coach know that he is good. He can do it. Get me? He can do it. With this team, what I want to let him know is that he has played in this team and he is the boss of this team. He knows this team very well. Mm-hmm. All Cameroonians have been crying because from years back now to now, football is not going well in Cameroon. And we have been seeing that some players, we're hearing some stories that some players are because they have quarrels and all those. What I want to let, he is a father to that club, those guys already. He played there, but now he is a coach, is like a father. Mm. If there is any problem, he has to resolve this problem. And we know that Cameroon have good players. Mm-hmm. That's the only solution I'm trying to, we have good players. He should resolve and bring the good players back to this team. He can do it. He can do it. We know the players. It is not that Cameroonians, they know their players. All what we are seeing now playing, they are not our players. They are not the real Lions. Yeah. Really? Yes. Why are the real Lions? They are not the real Lions. The real Lions are there. Because what I saw from the first half, I nearly cried yesterday. I was shocked. When I saw Burundi, like they were like pushing into our net. I said, what is this? I just left. I didn't watch the second half. It is when I hear goal before I came back. So goal had to call you back. Yeah, I came back. Say, hey, what is that? Because I was afraid. Don't be a half-hearted supporter of the Indomitable Lions. We Cameroonians, we love football. You understand? Okay. Football is, all Cameroonians, they love football. So what I'm trying to explain is,
just the coach. If he knows what to do, the coach knows what to do to bring this team back. Because we have, because any team, when the building zone, the coach knows what I'm talking about. When the building zone is bad, we cannot do anything. Even if you have all the good strikers. But this building zone, now we brought Onana back now. The defenders, you are talking about right back, left back, midfielders, all those sort of things. So the building zone, this building zone, la zone de construction, c'est ça. Si ce n'est pas bon, une équipe ne peut pas faire marquer les attaquants. Donc, thank c'est ça. You. Thank you. Bring back the right indomitable Lion players. Back to the team. Back to the team. So, I want to hear what Leandre has to say. Non, moi je suis de même avis que Didier. Je pense que, et même du même avis que le sélectionneur burundais qui parlait de faire confiance au coach. Je pense que la dernière fois que le Cameroun a gagné, et même les fois où le Cameroun a gagné, c'est parce qu'on avait un entraîneur fort. Même en 2017, on n'avait pas de grands joueurs, on n'avait pas de noms ronflants, mais on avait un Hugo Bros qui était quelqu'un qui est têtu et qui avait confiance en lui, confiance en ses choix. Ça fait que quand il décide de mettre Aboubakar Nkoulou sur le banc, il ne subit aucune pression de, soit de la présidence de la République, soit de la présidence de la fédération. Il fait ses choix et il les assume. Et il avait dit, attendez-moi la fin de la compétition, je vais rendre compte à la fin de la compétition, pas pendant. Donc je pense qu'on a parlé du problème des cadres ici. Si son Robertson avait ce plein de confiance, parce qu'il faut aussi dire qu'ils sont arrivés dans un environnement où tout le monde est en train de critiquer la fédération, tout le monde critique ses choix. Les gens ont même de la peine à voir les points positifs. Les points positifs et les choix tactiques que Rigobert opère pour qu'on ait une équipe, une bonne équipe. Ça fait donc que s'ils sont avec confiance en lui, véritablement confiance en lui, je pense que les joueurs comme Baïzo, Nou, Tolo, ou encore même Moukoudi, ne devait pas se retenir. Aboubakar Choupeau, ne devait pas jouer ensemble pour commencer un match. Okay. Mais quand vous êtes fébrile, parce qu'il y a l'affaire André Onana qui vous a ébranlé, il y a Aboubakar qui est le capitaine et que vous avez peur de fragiliser, il y a Choupeau qui est aussi le vice-capitaine, qui a une forte tête, il y a Toko Ekambi qui a une forte tête, vous n'avez pas les pleins pouvoirs, vous dites que si je mets Aboubakar au banc maintenant, il peut créer les mecs dans mon groupe et j'échoue, si je mets tel. Pourtant, quand vous voyez le retour de Moukoudi, je suis sûr à peut-être 80% que ce n'est pas la volonté de son. Mais comme Hervé l'a dit, c'est l'appel du peuple. C'est tout le monde qui vous dit que Moukoudi joue en Grèce, il est sorti champion, on doit l'appeler. Maintenant qu'on l'appelle, on oublie que Moukoudi était ici pendant la CAN et on a vu ses limites. Donc on connaît Moukoudi. Mais parce qu'on est euphorique, on se dit que bon, comme Nkoulou n'est pas celui qu'on veut, il faut à tout prix ramener quelqu'un et ramener nous Moukoudi. On oublie carrément que Moukoudi, on a déjà vu ce que Moukoudi sait faire avec l'équipe nationale. Il est de même pour Baïzo. Quand on sélectionne Baïzo, c'est parce qu'on se dit que bon, ce sont mes gars, s'il y a un truc dans le vestiaire, il va venir me dire que coach, on est en train de préparer ceci, donc je le mets au stade. Mais on sait que Baïzo, voici ce qu'il est capable de donner. Donc, on sait déjà ça. Donc, moi, je pense que tout va, comme le coach du Burundi a dit, sur la confiance. Ils sont en confiance à lui. C'est quelqu'un qui ose, je l'ai dit ici. On a vu contre l'Algérie à Blida, quand il est sorti déjà pour moi, personne ne savait ce qu'il devait proposer à Blida. Mais on a vu un milieu de terrain inédit. Avec tout avait changé. Il met au Yongo. Avec nous, Tolo, qu'on avait mis sur un autre. Donc, je pense que si on laisse les pleins pouvoirs à Gobertson, il peut faire de très bonnes choses. Et qu'on parle à nos joueurs, je pense que les joueurs sont conscients. Les hommes vieillissent, comme le coach a dit, Aboubakar, Choupeau, Toko sont sur la fin. Il faut redonner confiance. Il faut donner de la confiance pour exploiter les nouveaux profils que sont les jeunes Mougué ou Elliot, le jeune Ben Elliot. Voilà, il faut bien qu'on le dise pourquoi. Il faut qu'on sache à quoi ils peuvent servir. C'est pas contre il a joué contre la Mexique. Oui, mais quelques minutes après. Hier, là, tu pouvais te dire à son Ben ou Ben Elliot, il peut changer tant dans tel match. Non, parce qu'on ne l'a jamais vu véritablement dans un match à forte intensité. Donc, il faut commencer à préparer ça de façon progressive pour que la transition ne soit pas une cassure. Exact. Parce qu'on sait déjà que
Aboubakar peut arriver blessé à la CAN. Il peut se blesser, il ne revient même plus. C'est des joueurs vieillissants. Mais il faut déjà présenter, même à l'opinion publique, des alternatives pour que ce ne soit pas comme une cassure ou des règlements de compte, mais qu'on sache que de façon sportive, c'est une transition qui est en train d'être... Il faut concerner tout le monde. Vous avez vu, on parlait de l'attitude tout à l'heure. Vous avez vu l'attitude de Mouminga, je sors par là. Quand il entrait, entraînant des pieds. Parce il que fait vous, même... vous le mettez aux arrêts de jeu. Exactement. Qui n'est pas bon depuis. Exactement. Et qui est Mouminga Maleu? C'est quelqu'un qui, c'est un ancien 4 de l'équipe, qui avait déjà un statut avec Conte Sao. D'ailleurs, Conte Sao disait c'était le premier joueur qu'il mettait sur sa liste. Donc, quand Rigaud arrive, Rigaud quasiment l'envoie balader parce que le gars est 4e ou 5e choix désormais. À la tâche, je crois que Rigaud l'a même fait. Voilà, je crois que Rigaud l'a même fait une fois joué latéral. Donc, il est complètement lui également détruit mentalement. Il fait même une passe décisive hier et il ne va pas célébrer. Voilà, il ne va pas célébrer le but. Pourtant, c'est un gros talent. Donc, il faut concerner les gars qui ont le niveau et faire clairement comprendre à ceux qui n'ont pas le niveau, Et voilà, il faut que le coach soit ferme. Il a toutes les clés en main. Je crois que même le président de la FECAFOOT, on le sent, lui a donné les clés. Dernier mot, coach, avant de clôturer l'action. Voilà l'action en question. Voilà l'entrée de Moumi. Non, c'est toujours un plaisir de revenir sur votre plateau. Tous les panélistes l'ont dit, il y a du travail à faire. Rigaud a le temps, il y a les matchs amicaux, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout ce que nous demandons, c'est de nous ramener tous les meilleurs joueurs et de nous amener la meilleure équipe possible en Côte d'Ivoire. Maintenant, Rigaud ne travaille pas seul. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rigaud est manager sélectionneur. Ce n'est pas lui qui est forcément à l'ouvrage sur le terrain. Maintenant, il faut qu'il donne une certaine orientation pour que Migné, qui est son adjoint direct, il travaille de manière à ce qu'on ait quand même une équipe qui nous fait honneur. Nous avons gagné sans briller. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a dit. Il faut quand même que les victoires ne soient pas amères pour nous. Que lorsque nous avons gagné, que nous soyons contents de célébrer. Voilà un peu ce sur quoi je sors. Thank you so much, coach. I mean, we should be able to celebrate every win because wins, victories are worth celebrating. Well, it's on that note that we put an end to La Nuit du Sport right here on Spectrum Television. Thank you so much, Afo Gideon, for honoring our invitation. Thank you so much, Coach Charlemagne Bongo, for coming and gracing this platform. Thank you so much, Leandre Zé. It's always a pleasure to have you here. And, you know, I still have to hold you because, you know, after playing that match that day, it was such a fun experience. Thank you so much, Evimenom. It's always a pleasure having you here. And it's on that note that we put an end. Have a wonderful night. Thank you so much, Erin Gando, for producing the show. Thank you so much, Landry Yosa. Thank you so much, Z, Pierre Désiré. And also, Amugu, thank you so much for all the love. Have a wonderful night in the company of our programs.